Salut à tous, bonsoir à tous. Normalement, on est en live, vous nous entendez. Ouais, j'ai le petit retour des petites barres qui s'affolent à l'écran. Normalement, vous avez le son. Je vois du monde dans le chat, je vois des yes dans tous les sens. Je vois des salutations. Il y en a un qui crie Bleach. Alors, toi, t'as pas compris, mais Bleach, c'est cool. Ça fait plaisir quand même, Shadi. Salut, salut à tous. Salut, ça fait plaisir de vous retrouver ce soir, vraiment. Pour un live, ça fait vraiment un bail. Ça doit faire un bon 3 mois, un truc comme ça, que je vous ai pas retrouvé en live. Salut, salut, est-ce que vous m'entendez bien? Pour commencer, on va faire les petites mises en place, les petits tests et tout ça, parce que ça fait un bail. Salut, salut, salut. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le retour de ma voix est bon? Ouais, il y en a eu le gamer qui dit oui. Alexandre, il dit ouais, on m'entend bien. Ok, cool. Bon, ce soir, vous l'avez lu dans le titre, eh bien, on se retrouve pour parler de Boruto. On va parler donc du chapitre numéro 57 de Boruto. On va peut-être aussi rétrograder un petit peu vers les 56 et 55, etc., vu que c'est lié. On va essayer de se projeter vers le futur, sinon on serait pas des devins, vers le 58. On est en compagnie d'un fin connaisseur de l'œuvre Naruto, j'oserais dire, qui a plus que fait ses preuves sur YouTube et qui prend une nouvelle direction sur sa chaîne YouTube. Vous le connaissez sûrement déjà tous, il s'appelle Roy-san. Je vais te donner la parole, je te salue, je te remercie infiniment d'être là ce soir. Je te laisse tout d'abord te présenter pour ceux qui potentiellement ne connaîtraient pas ta chaîne YouTube. Pour qu'ils puissent te découvrir. Merci déjà à toi, Seiko, c'est super sympa de m'avoir invité. Puis, moi, c'est Roy-san, pour ceux qui me connaissent bien, Roy-son, hein, pour les intimes. comme il l'a dit. Là, je vois des Roy-san le BG, il y a Roy et tout. Donc, je pense que, il y a le Roy-son et tout. Ouais, bah, pour ceux qui me connaissent pas. Attends, le son est hyper bas, j'entends. Ah, ok. Ah, il parle pas non. Mon micro est hyper bas, mais il t'entend bien à toi. Ok, je peux monter mon micro si vous voulez.
Vas-y, vas-y, continue. Ouais, bah pour ceux qui me connaissent pas, je faisais des vidéos sur Naruto. Puis, y a pas longtemps, j'ai décidé d'arrêter, de changer un peu de direction. Maintenant, je m'oriente un peu plus sur les animés en général, un peu sur l'histoire du Japon vis-à-vis des animés et du manga. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, bah, ma chaîne est là. Ok, cool. Cool. Et ben, merci à toi, Roysan. Je me rends compte d'un truc, c'est que visiblement, mon micro n'est pas réglé sur le bon micro. Donc, je vais essayer de régler ce problème-là. Ça pourrait expliquer pourquoi vous captez pas le bon micro. Alors là, j'ai le bon, là, j'ai le bon. Je vais faire un truc, j'espère que ça va pas faire péter toute la, toute la machine. On va voir, ça serait le live le plus court de la Terre. Ouais, Roy, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, ouais. Tu m'entends bien? Le chat, vous m'entendez normalement? Normalement, ouais. Désolé, normalement, tout était bien configuré. Le micro de Wish, non, c'est la configuration de Wish, Gogeta, c'est pas le micro. Fait exploser le PC, ouais, vous m'entendez bien. Ok, parce que normalement, mon réglage de voix, il est bon. C'était Sersa, non? Sersa qui a dit qu'il entendait pas ma voix, je crois. Ouais, des améliorations audio ont été désactivées. Voulez-vous les réactiver? Je sais pas ce qu'il me raconte. Attendez. Là, le micro. Je vais désactiver celui-ci. Est-ce que Roy, tu m'entends toujours? Moi, je t'entends bien, ouais. Tu m'entends bien? Non, mais le niveau de son, il est comme d'hab, comme sur les anciens lives. Je vais voir là, si. Ouais. Ça grésille un peu là. Ça grésille toujours? Non, parfait là, c'est nickel. Parfait, ok, il y a peut-être eu un petit bug parce que j'ai cliqué sur un truc parce que j'avais un conflit entre deux micros, il y en avait un autre qui était activé, celui des écouteurs là, qui était activé en même temps que celui de live là, de YouTube, et ça faisait un espèce de conflit. C'est lui qui bug, non, il est très clair, Roy, je pense qu'il est très clair, bon, c'est bon, on va arrêter de faire les ingé-sons, je pense que c'est bon, et puis vous nous direz s'il y a un petit souci ou quoi, donc présentation faite, et je rajouterai que pour Roysan, vous avez le lien de sa chaîne YouTube en description, vers le haut de la description, vous pourrez le retrouver sur sa chaîne YouTube. Il m'en a parlé en off, je vais pas révéler ses projets, mais il a du lourd qui arrive sur sa chaîne YouTube, il a des gros projets, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller checker ça, vous faites un tour sur la chaîne, voir si ça vous plaît ou pas. D'ailleurs, Roy, je vais peut-être te poser une question qui m'est mal à l'aise, mais j'ai vu beaucoup d'abonnés qui te l'ont demandé. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'enlever les vidéos Naruto vidéos, les anciennes, ouais. On comprend que tu changes, ouais. Tu veux plus faire pareil, mais pourquoi est-ce qu'on peut plus voir celles qui t'ont fait grimper, on va dire, et celles qui t'ont fait connaître Alors, en fait, un petit peu la nostalgie, venir les revoir, etc. Je les ai pas supprimées, je les ai juste mis en privé, ouais. Tu vois. Ouais. Puis en fait, j'ai fait ça parce que. Je sais pas comment dire, mais en fait, c'est les vidéos qui me font le plus découvrir, tu vois. C'est les gens. Quand ils me connaissent, ils viennent. Quand t'attribues une image, c'est ça que tu veux. Voilà, c'est ça. En fait, ils viennent, ils me disent « Ah ouais, je t'ai découvert grâce au chat SMS, grâce à ci, grâce à ça. » Et en fait, souvent, quand je suis en live, ben, on m'associe souvent à ça, tu vois. Okay. Roysan, c'est le youtubeur Naruto. Okay. Il connaît que Naruto, tu vois. Du coup, je me suis dit « J'enlève ça un moment. Je ne sais pas combien de temps je vais enlever ça. Je me reconstruis. Comme ça, les gens, ils voient bien que je suis quelqu'un d'autre, tu vois. » Ouais. Et ensuite, si ça marche bien, bah, hop, on les remettra, tu vois. Petit à petit, ça pourra revenir. Ok, bon, voilà, on a répondu à une interrogation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Yo, Chris, comment ça va? Salut à tous, salut. J'ai eu plein de noms que je connais, d'abonnés, etc. dans le chat. Ça fait super plaisir. D'ailleurs, on est combien, là? On est 216. Merci. Merci infiniment pour ce retour en live. Vous faites plaisir. Bon, ce soir, à part faire les ingé-sons et parler des vidéos en privé de Roysan, qui sont très intéressantes, mais on n'est pas venu parler de ça... On est venu parler de Boruto. Il se passe des choses de ouf, en tout cas pour ma part, des choses de ouf dans Boruto. Je sais pas ce que t'en penses, Roy. Est-ce que t'as trouvé les derniers chapitres chauds? Est-ce que t'es déçu? Est-ce que ton avis global par rapport aux événements récents, chapitre 55 à 57, tu t'es dit, ouais, c'est lent, ou tu étais un petit peu dans la hype et tout? Alors en vrai, ça m'a bien. J'ai bien aimé parce que là, on est un peu dans une période de transition, mais ouais. Elle le fait bien, tu vois. Surtout avec le dernier chapitre, le 57. Il y a de belles infos et puis ça permet de pas mal faire des théories, donc c'est pas mal, vraiment c'est cool. D'accord, ok, donc on me dit encore comment t'en bas, putain, vous voulez que je fasse le DJ ce soir. Bon, en gros, t'as une bonne appréhension par rapport à ces récents chapitres, on est plutôt du même avis. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis le Baryon, la défaite de Ishiki. D'ailleurs, je préfère prévenir, c'est un live qui va parler sans retenue. Si vous n'aimez pas les spoilers, vous n'avez pas lu les chapitres, je vous salue, je vous remercie vraiment. Mais on est là pour parler sans restriction de ce qui s'est passé.
Et également, on a eu la mort de Kurama, et j'aimerais bien qu'on revienne sur ça. On va pas forcément épiloguer 4 ans sur ça, parce que beaucoup de monde en a parlé, il y a eu plein de vidéos sur le sujet, etc. Voilà, il y a eu vraiment tout le monde a dit ce qu'il pensait. Mais étant donné que tu t'exprimes plus trop sur ces sujets, j'aimerais bien qu'on puisse en revenir là-dessus. Et avant de poser la question que tout le monde se pose, Kurama reviendra-t-il, etc. Est-ce que j'aimerais creuser le sujet d'une autre manière, avant de le creuser d'une manière traditionnelle. Est-ce que il y a un truc qui a un peu bouleversé tout le monde, je trouve, vis-à-vis des derniers chapitres, c'est que suite à la mort de Kurama, qui est devenu, c'est le frérot Kurama, tu vois ce que je veux dire, Ah, tout le bien monde sûr, bien l'apprécie sûr. et tout le monde le respecte, et d'ailleurs plus personne l'appelle Kyubi, tout le monde l'appelle Kurama, alors que c'est un renard dans un manga, tu vois, donc vraiment il y a beaucoup de respect. Et en fait, récemment, tu prends les derniers chapitres depuis sa mort, il n'y a eu aucun retour sur ça. Et mis à part au moment où Naruto l'a perdu, qu'il a eu, il n'a pas vraiment pleuré, mais il a tendu sa main vers lui, oh Kurama, ils se sont séparés. Mais il n'y a pas eu de retour sur ça, il n'y a pas eu d'hommage, il n'y a pas eu de Naruto en larmes, il n'y a pas eu de deuil, il n'y a pas eu de pseudo-enterrement ou quelque chose comme ça, on ne peut pas l'enterrer vu qu'il a disparu. Mais en tout cas, il n'y a pas eu ce retour en fait, ce dommage qu'on doit à Kurama dans l'œuvre Naruto. Est-ce que c'est volontaire pour en reparler plus tard, dans un prochain chapitre, lorsque l'histoire devra nous y mener? Ou est-ce que ça a déjà eu lieu dans la chronologie Naruto et plus tard ça nous sera montré sous forme de flashback? Ou est-ce que c'est une erreur en fait de l'auteur, j'allais dire des auteurs, parce qu'avant il y avait Kishimoto et il y avait l'autre qui a été viré, mais Kodachi, mais maintenant il n'y a plus que Kishimoto tout seul. Est-ce que c'est une erreur de l'auteur en fait de zapper un moment si important? Parce que on a tendance à dire que l'auteur doit pas donner aux fans tout ce qu'ils veulent, mais là c'était quand même un pilier de l'œuvre, Naruto, Kurama, Kyubi. Et comment est-ce qu'on peut passer à côté de ça en fait? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi aussi, j'étais très surpris, tu vois. C'est pas dans l'éthique de Kishimoto Ouais. de bafouer un peu ses persos, de les jeter à la poubelle. Exact. Si on voit un peu dans Naruto, je prends l'exemple de Naruto, les persos qui sont morts, si tu prends Jiraiya, Neji, Itachi, Asuma, etc., il y a toujours eu des périodes Des enterrements, ils sont tous après, habillés en voilà, il y a eu des noir, ils enterrements. se rassemblent devant le Ouais. bâtiment du Kage, du Hokage, Voilà, tout ça. il y a toujours eu. Bon, même si après. Je comprends le fait de ne pas annoncer la mort de Kurama dans le village parce que, entre guillemets, ça risque de leur faire peur parce que Naruto a perdu de la puissance. Ouais. Mais au moins mettre, je sais pas, des flashbacks, des trucs qui. Parce que là, Une vraiment, cérémonie plus intimiste, ouais. Ouais. voilà, ça, on sait pas ce que Naruto pense de ça, on l'a juste vu dire oh, Kurama, à plus. Enfin, on sait même pas ce qu'il répond, quoi. Ah ouais. Moi, ça m'a Encore sur le déçu. combat, c'était normal parce qu'il fallait se taper contre Ichiki, il fallait en venir à bout. Mais une fois qu'il est terminé dans la dimension là-bas, il se passe rien. De retour sur Terre, il se passe rien. En tout cas, à nos yeux, il se passe rien. Peut-être ça a eu lieu parce qu'une fois qu'ils sont revenus sur Terre, il y a eu une ellipse de une semaine. Dans cette semaine-là, ça a pu se passer. C'est même plus que probable. Mais pourquoi ils ne le montrent pas? C'est quoi l'objectif? C'est justement de nous énerver un petit peu pour nous satisfaire ensuite, tu vois? Créer ce manque pour nous le donner ensuite en nous disant, bon, ben, pendant ce laps de temps d'une semaine, il s'est passé ça, ça et ça. Mais on voulait vous tirer un petit peu plus les larmes des yeux ou enfin j'ai du mal à cerner en fait là où ils veulent en venir. Donc t'es plutôt d'accord avec moi sur le côté frustration en fait du fait de pas avoir ce qui nous est dû d'une certaine Ouais, manière et ce qui est dû au je suis personnage. entièrement d'accord. Je suis aussi d'accord avec le chat. Je pense aussi Ouais. que dans l'anime, ils vont beaucoup plus développer ça. Ouais. Parce que s'ils nous mettent ça, enfin, comme ça a été mis dans le manga, ça risque vraiment, vraiment de faire polémique. Donc je pense que dans l'anime, comme ils ont le temps, hein, l'anime a clairement le temps, bah, ils vont vraiment nous mettre un moment bien inoubliable. Mais en tout cas, le manga, je suis un peu déçu, quoi. Et du coup, tu penses pas que le manga a prévu de nous mettre un moment inoubliable, comme tu viens de le dire, mais plus tard, en chapitre, je sais pas, 60, un truc comme ça, par le biais d'un flashback. Ben franchement, s'ils le font, je trouve que c'est mal fait parce que, comment dire, nos émotions, ils sont retombées, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, les mois sont passés, et tout le monde sait que Kurama est mort. Limite, on l'a un peu oublié, tu vois. Alors Ouais. que s'ils l'avaient fait directement après, ben on aurait eu la hype et tout, on aurait fait un peu notre deuil, tu vois. Mais là, s'ils le remettent 2 chapitres après, je trouve pas que ça aura le même impact. Ouais, et pour rejoindre ce que tu dis, j'ai été aussi frustré, c'est vraiment le mot, je me répète, mais par rapport au conseil des Kage, là, qu'il y a dans le chapitre 57, Tagara, à la fin, qui dit, ah ben les gars, vous êtes tapés contre un Otsutsuki, là, Ichiki, vu la grandeur de la menace, franchement, les pertes, c'est pas, ça va, c'est tranquille. Enfin, même pas un petit mot, alors qu'il a lui aussi est un Jinchuriki. Et C'est fou, hein. s'il avait perdu son lien, alors que pourtant, la relation Gaara-Shukaku, elle est plus agressive, hein, mais en tout cas, elle est plus froide, je trouve.
Mais même si lui, il avait perdu, il serait dans le mal. Donc, il n'y a aucune mention de la part de Gaara lors du conseil. Et puis, sans parler d'émotion, sur le plan géopolitique, force de frappe et tout ça, perdre Kyuubi, c'est quand même à l'ordre du jour dans un conseil des Kage, je pense. C'est quelque chose dont on discute. La force de Konoha n'est plus la même. La force du monde ninja face à une possible invasion de Kyuubi se voit décroître totalement. Et on n'en parle pas. On parle que de Code, 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 Code. Alors que Code, il a quand même un petit moment avant d'être actif, vraiment, parce qu'il faut qu'il retrouve sa limitation, enfin qu'il enlève sa limitation de pouvoir, etc. Tandis que perdre Kyuubi et qu'un Kyuubi peut se ramener, sachant que Code a un pouvoir interdimensionnel un petit peu chelou, qui pourrait ramener Kyuubi ici, ça n'est pas discuté, même sur le plan stratégique de guerre, concrètement. Il n'y en a pas un qui s'est réveillé sur ce sujet-là. On dirait vraiment que l'auteur, en fait, veut nous détourner de ça pour peut-être nous en parler plus tard. Moi, j'ai l'impression qu'il veut vraiment faire table rase des bijoux, tu vois. Parce qu'on est d'accord, dans Naruto, les bijoux, c'était la principale arme de dissuasion, tu vois, dans une guerre. Ouais. C'était, ouais, on va vous attaquer. Ah, mais nous, on a ce bijou là. Ah, ouais, ok. Ouais, c'était la bombe nucléaire de chaque pays, quoi. Ouais. Et là, maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'il veut nous faire dire, les gars, là, c'est Boruto, c'est plus rien à voir, tu vois. Parce que si on nous... Je sais pas si c'était dans le manga ou dans l'animé, mais quand on nous disait, ouais, les bijoux, maintenant, ils se sont tous barrés, chacun vit un peu sa vie, bah, ça nous montrait vraiment que Kishimoto, il voulait plus en entendre parler, quoi. Et là, je pense que pour lui, Kurama et le fait que Naruto soit aussi puissant, c'était quelque chose de problématique, tu vois. Donc, le fait de l'avoir, entre guillemets, fait dégager de l'histoire... Ça encore, c'est tout à fait compréhensible, tu vois, le fait de nerfer Naruto en enlevant Kurama, on peut le comprendre, mais c'est la manière, en fait, de le faire qu'on comprend pas. Ouais, c'est ça le truc. C'est pas le fait qu'il l'ait fait, on l'a tous accepté. Même, je pense que si Naruto avait été mis hors sujet, handicapé ou quoi, je pense qu'on ça aurait eu du mal à passer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit, ouais, moi si Naruto meurt, s'il finit handicapé, j'arrête de lire. Mais je pense que beaucoup de gens auraient compris. Mais c'est encore une fois, c'est une question de manière. Si Naruto meurt et que le village ne lui fait pas de reconnaissance par l'enterrement national, entre guillemets, qu'on voit pas sa fille Maori qui pleure, enfin, c'est des clichés, mais c'est logique en fait. Et on n'a pas ça du tout pour la relation Naruto-Kurama. Et comme tu as dit, peut-être que l'anime va augmenter ça, vu que dans l'anime, d'ailleurs, en plus, Boruto a été dans les épisodes commémoratifs, filler, on appelle ça comme on veut, du retour dans le passé. Là, il a vu en fait la relation Kurama et Naruto à cette époque-là. Ouais. Donc je pense que le lien Boruto-Kurama est un peu plus grand dans l'anime que ce qu'il est dans le manga. Malgré tout, j'ai quand même cette pilule en travers qui n'arrive pas à passer. Et j'attends que le scénariste Kishimoto nous donne un verre d'eau, tu vois, pour faire passer la pilule. J'ai l'impression qu'il veut jamais me tendre la main avec son verre d'eau. C'est ça le problème. C'est dingue. Il veut que je m'étouffe, en fait, tu vois. C'est fou. Dingue. Franchement, tu vois, à ce niveau-là, moi, j'aurais préféré que Naruto meure, tu vois. J'aurais préféré. Que ça risque d'arriver plus tard, tu vois. On dirait que c'est une mort en deux étapes, en fait. Parce que là, en fait... Là, s'il était mort, tu vois, tout le monde se serait dit, ok, il a tout donné, il avait Kurama 100%, il s'est battu, l'ennemi était trop fort, adieu Naruto, on comprend, tu vois. Mais là, s'il se fait tuer plus tard alors qu'il n'a pas Kurama, ça va dire, ouais, Naruto, ben, il est mort un peu, tu vois, il pouvait plus rien faire, à part le mode Sennin, mais bon, le mode Sennin aujourd'hui, c'est pas un Naruto grand 100% chose, qui est tombé. Voilà, c'est ça, tu vois. Du coup, ça va nous donner un peu de la frustration. C'est clair, un peu beaucoup, et surtout s'il meurt contre un petit jeune Code, là, j'ai rien contre les petits jeunes, tu vois, mais c'est bizarre de voir le Kage, le héros de l'œuvre, le Hokage, héros de l'œuvre, qui va arriver contre Code. Code, il doit avoir l'âge de Kawaki, entre 15, je sais pas, à peu près 15 ans, et c'est contre ça que Naruto va mourir, peut-être, tu vois. Ça n'empêche pas que le personnage de Code éclase, qu'un jeune éclase dans l'œuvre et tout, c'est pas ça le problème. On a kiffé Naruto quand il était tout gosse, et là, je l'empêche pas, mais après... C'est pareil que le Sandaime quand il a perdu face à Orochimaru. Alors, le Sandaime, il était affaibli, il était vieux, mais c'est normal parce que c'est dans l'ordre des choses de vieillir et de s'affaiblir. Mais en même temps, il a perdu contre Orochimaru, il n'a pas perdu contre un petit Mitsuki, tu vois. Et il avait quelqu'un d'expérimenté en face de lui. Et en plus, Orochimaru, il lui a quand même sorti les Kage en Edo Tensei et compagnie. Mm-hmm. Donc, il y avait quand même un guerrier tout à fait respectueux face à un Kage respectueux respectable plutôt. Et là, cette notion-là, ben en fait, on va avoir le Hokage qui risque de mourir n'ayant pas 100% de ses capacités face à un être qui est une réincarnation de volonté Otsutsuki, cet être qui a 15 ans et qui a aucune expérience, qui passe son temps à boire des petits verres de whisky et à rigoler avec des meufs, tu vois.
C'est, j'essaie de parodier un peu le personnage, mais c'est presque ça. Et ça peut être un peu déroutant, quoi. Déjà qu'on a, on a un petit peu du mal, je sais pas quelle est ta part des choses par rapport à ça pour toi, on a un petit peu du mal des fois à voir Boruto et Kawaki briller face à des Ishiki et compagnie, en sortant des Kagebunshin ou des choses comme ça pour les, pour les avoir. Mais si en plus maintenant c'est plus le grand méchant qui se fait avoir comme ça, mais c'est le grand héros, c'est chelou quand même. Tu vois, c'est comme si Sasuke perdait contre un gosse de 12 ans, quoi. On comprendrait pas, en fait. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je vois beaucoup de gens dans le chat qui pensent que je suis pour la mort de Naruto. Alors pas du tout. Naruto, c'est mon perso préféré. Et s'il meurt, je crise, tu vois. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'aurais préféré qu'il le tue, mais en lui donnant toute sa gloire, qu'en le nerfant et puis en le laissant juste là. Parce qu'en fait, j'ai plus l'impression que c'est marketing, tu vois. Ouais. Parce que déjà, le fait d'appeler l'œuvre Boruto Naruto Next Generation, tu vois, nous fait comprendre que, hé les gars, regardez, c'est l'histoire du fils de Naruto, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et puis, rien que même au niveau du Japon et des téléspectateurs, enfin, le fait de tuer un perso comme Naruto, ça risque de provoquer de la haine contre Kishimoto, tu vois. Donc je pense que ça peut faire un effondrement des ventes de goodies aussi, parce que tu vas acheter le t-shirt à la mode, mais d'un personnage qui au final il est mort dans l'œuvre, ça peut être un peu bizarre. C'est ça. Ouais. Mais au final, tu vois, ils sont en train de le faire mourir, mais faussement, quoi. C'est ça aussi le problème. Voilà. Et là regarde, là il y a un commentaire qui fait, mais Roy, il n'y a pas de Naruto. Non, Naruto n'a pas à mourir même dans la gloire. Tu vois, c'est ça le problème. Kishimoto, il doit recevoir plein de messages comme ça, tu vois. Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il fait, ah bah, moi de base, je voulais faire mourir mon perso, mais je reçois plein de messages bizarres, donc je le fais nerfer, et puis on passe à autre chose, quoi. Ouais, et t'as raison, et j'ai vu plein de personnes qui, je vais avoir un terme un peu fort peut-être, mais qui voulaient prendre l'œuvre en otage, et je l'ai dit tout à l'heure, qui me disaient, ouais, dans mes vidéos, tu vois, et pourtant je suis pas représentatif de tous les fans de Naruto par le biais de ma communauté, mais si je peux en représenter un mini fragment, tu vois, j'essaie de l'exprimer, et plein de gens qui me disaient, moi si Naruto, Sasuke ou les deux meurent, j'arrête, l'œuvre Boruto n'existe plus. Bah ouais. Et c'est radical en fait comme décision, tu vois, parce que tu prends clairement l'auteur en otage, tu vois, et tu m'obéis, moi fan, lecteur et amoureux de Naruto, et toi le scénariste, tu n'as plus le droit d'être libre de tes choix et de les assumer, tu vois, et je trouve que c'est un peu problématique, parce que le mec devient coincé. Je préfère à la limite que l'auteur soit coincé par rapport au marketing, du style, je sais pas moi, Studio Pierrot, un truc comme ça, irait le voir en lui disant, bon écoute, là on a vu que tu veux le tuer, mais ça nous arrange pas, nous on a des produits à vendre, et qu'il le fasse pas, c'est douteux comme démarche, parce que c'est que pour le pognon, mais en même temps, je comprendrais plus, mais si c'est parce que les fans vont pas aimer que mon choix, bah alors l'auteur il s'arrête, parce qu'il peut plus rien faire, sinon on va jamais aimer les choix qu'il a fait, il pourra jamais contenter tout le monde, et puis... Tu vois, des fois, il faut prendre des choix forts. Tous les Kage avant Naruto, quasiment tous, sont passés durant des moments compliqués de l'histoire de l'œuvre. Pourquoi pas Naruto, en fait, tu vois. Des guerres, des machins, autant il y a une autre guerre qui pop et Naruto y passe, en fait. Parce qu'il aura plus la puissance. Au moment de l'ellipse, quand il soit adulte, le village est détruit. On a Kawaki qui nous fait quelques phrases un petit peu... un petit peu bizarres, hein, quand même, sur la situation de Naruto. On sait pas trop s'il est vivant ou pas. Et il se pourrait très bien qu'il y passe. Et le pire, c'est que là, ils sont peut-être en train de le tuer en deux fois. Une première fois en lui enlevant Kurama, et une deuxième fois lorsqu'il va se retrouver face à Ada ou à Code. C'est ça le truc. C'est ça le gros problème dans l'histoire. Et je vais lire la donation de Kakreos avec son haralé en photo de profil qui a donné 5 euros. Il a dit 5 euros car je suis pauvre. Tu devrais pas dire ça. 5 euros, tu connais beaucoup de monde qui te donne 5 euros de nos jours. Il n'y a personne. Donc je te remercie vraiment du fond du cœur, Kakreos. Il dit, question, que pensez-vous de Kashin Koji? C'était une bonne idée ce clone de Jiraiya pour vous. Quel sera ses futurs rôles? Je te remercie encore une fois, Kakreos. Vraiment, vraiment merci du soutien à la chaîne par ce don. Si tu me le permets, Kreos, on va surtout répondre à la première partie de ta question, parce que la deuxième, elle est incluse dans une autre partie du live. Ta première partie de question, c'est, tu nous demandes si c'était une bonne idée ce clone de Jiraiya pour nous ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, Roy? Tu trouves que c'était bien, toi, de te baser sur l'essence de Jiraiya, faire un clone de Jiraiya, pour faire un nouveau personnage, ou tu trouves que c'était un petit peu trop... Moi, j'aime bien les petits clins d'œil comme ça, tu vois, ça fait toujours plaisir. On est d'accord, franchement... Ouais. Il n'était pas obligé, tu vois, il n'était pas obligé de nous sortir un Jiraiya 2.0.
Mais je trouve que ça a été bien fait, ça a été plutôt bien fait, pour le coup. Et je pense que, c'était une bonne idée. Ouais, je trouve pas que c'était trop tiré sur la corde, Jiraya, fanservice, forcément, on en parlait justement des fans. Ah, les fans vont franchement, aimer oui. Jiraya, donc là, on leur met un Jiraya bis pour qu'ils kiffent un peu dessus. Alors, je suis entièrement d'accord, c'est du pur fanservice, mais ça fait plaisir, tu vois. Ouais, ça fera plus plaisir une fois qu'on aura l'aboutissement de cette histoire par rapport à ce que peut mijoter encore, ce que peut en espérer Amado et ce que lui va faire maintenant qu'il est plus libre, qu'il est plus affilié Kara ou quoi que ce soit. Voir la finalité de ce personnage là, parce qu'il est toujours en vie. Donc, s'il est toujours en vie, c'est qu'il va servir au scénario. Il s'est échappé face à Ishiki à la fin. Il n'est pas mort. Certains le croient mort, mais il ne l'est pas. Donc, il a invoqué un crapaud qui l'a ramené quelque part. Ça veut dire que dans le scénario, Kishimoto veut faire quelque chose de lui aussi. Très sûrement. Bah ouais. Et je pense que ça sera ça, en fait, qui sera déterminant. Parce que, pour le moment, on n'a pas compris pourquoi Jiraya. Ramener un clone de Jiraya pour se battre face à Ishiki, mis à part le fait qu'il nous a sorti des flammes naturelles. À part ça, je vois pas que Leo Tsutsuki, face auquel Leo Tsutsuki galère, mais à part ça, quelle était la nécessité dans l'histoire d'avoir un Jiraiya-like face à Ishiki On l'a pas eu, tu vois. Donc je pense qu'elle arrivera plus tard, soit par un lien avec Naruto, avec Boruto, avec peut-être un entraînement pour faire une double dose de fanservice, ou alors un truc totalement inédit, ce qui pourrait être intéressant. Un lien avec Orochimaru, ou avec Tsunade, je sais pas moi. Mais je pense qu'il peut y avoir clairement quelque chose. Il y a un non-développeur qui dit « Je suis pas d'accord, Kashin Koji, c'est pas du fanservice. Il a tout simplement rien à voir avec Jiraya. » Ouais, il a rien à voir, mais en même temps, c'est le clone de Jiraya. Tu peux pas le manquer quand tu le vois, quand il utilise les crapauds. Et on tire sur la corde Jiraya, tu vois. Et ça peut aussi déplaire, en fait. Ça peut être du fanservice qui plaît pas, hein, qui va braquer les fans. Parce qu'ils vont se dire « Non, mais là, c'est pas un clone de Jiraya, tu vois. C'est pas comme dans Metal Gear Solid. Si vous connaissez, il y a des millions de clones qui se ressemblent plus ou moins. » Là non, ce clone là il est tellement différent, il a un pattern presque différent, il a une histoire, il a un mode de pensée, il est perdu par rapport à ce qu'était Jiraya, il a l'air d'une coquille vide de Jiraya, donc en ce sens là t'as raison, ça l'est pas, mais je rejoins tout à fait Roy quand il dit que c'est 100% fanservice, parce que le nom de Jiraya est posé sur le truc, il y ressemble à Jiraya jeune trait pour trait, et forcément c'est fait pour attiser le fan de Jiraya. Si tu kiffes l'œuvre Naruto, que t'as kiffé l'enseignement de Naruto par rapport à Jiraya, et comme moi Jiraya c'est ton personnage préféré, t'entends le nom de clone de Jiraya, tu vas direct aller voir et lire, regarder. C'est obligé, je sais pas ce que t'en penses Roy, mais... Ah bien sûr, tout est fait pour que ça titille un peu les fans, quoi. Ils voient deux, trois images passer par là, Kajin Koji égale Jiraya, c'est sûr que ça attire. Et le nombre de théories qu'il y a eu avant qu'on le sache, où il y avait plein de... Tu disais justement de théories, tout ça, et on voyait des miniatures avec des têtes de Kajin Koji dessinées en Jiraya lui-même, on lui dit putain il est revenu à la vie, parce qu'en plus il y avait le mystère sur son corps qui avait disparu par rapport à Kabuto qui n'avait pas pu le ramener pour les Dotensei de la dernière Geninja. Donc il y avait tout un lore mystérieux sur la fin de Jiraya, Et sur lequel ils ont bien surfé en fait avec Kashin Koji. Et là, le mec il est tapis dans l'ombre, on le voit pas dans le scénario. Il va repoper un moment pour nous expliquer très sûrement pourquoi dans l'histoire on avait besoin d'un clone de Jiraya. Enfin bon, pour revenir, je te remercie Kreos pour le don. Pour revenir et clôturer le premier sujet du live sur Kurama, donc la question un peu détournée que je t'ai posée au départ, on y a plutôt bien répondu. Et la question principale que tout le monde se pose, est-ce que Kurama, selon toi, va subir un cycle de réincarnation comme on le connaît pour les bidus et revenir petit à petit quelque part en ce monde, voire même dans Naruto, où c'est game over pour Kurama. On nous l'a fait sortir d'une manière vis-à-vis de laquelle il ne pourra pas revenir. Il pourra pas se ramener sa petite gueule de renard de renard à neuf queues là, dans l'œuvre, et on n'y compte plus. De toute façon, je crois que tu nous as déjà peut-être donné une piste de réponse. Tu nous as dit Kishimoto, il a peut-être envie d'écarter les bijus de son récit. Je sais pas si tu... Ouais, moi je pense que... Moi je pense que les bijoux c'est fini, quoi. Ouais. Parce que même là, enfin là même, tu vois, au niveau de la pseudo-guerre qui se prépare entre guillemets, les bijoux n'ont même pas été le thème des bijoux n'a même pas été abordé, tu vois. Donc je pense vraiment que pour eux c'est mort, quoi. Et puis Kurama, je pense pas qu'on risque de le revoir de sitôt, quoi. Pas de réincarnation, tu penses pas? Non, je pense pas. Tu penses que le Baryon Mode fait que le cycle de réincarnation que les bidus subissent habituellement, parce que normalement si un bidu meurt il revient à la vie temps de temps, là il n'y aura pas droit, c'est ça? Ah là je pense pas. Là je pense vraiment que c'est... Enfin c'était bien trouvé hein, le Baryon Mode, hein, vraiment. Ouais. Bien trouvé, mais non, je pense que c'est game over. Mais c'est doublement bien trouvé parce que ça serait peut-être la condition pour pas qu'il revienne en fait. C'est peut-être ça aussi. Ouais.
Ok, il y a Minchoko, et lui, il est pas du tout dans le même sens que toi, il dit il reviendra obligé. Bon, après, en même temps, Naruto, c'est l'œuvre où il y a quasiment tout le monde qui est revenu, tu vois, aussi, donc forcément, ouais. Ça donne envie d'y croire. Et je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis pour le fait qu'on évince plutôt pas mal les bijoux. Peut-être qu'il va rester que Killer Bee et Shukaku, un truc comme ça, et les autres, ils gambadent, il y en a un qui est mort, tu vois, un délire comme ça. Mais en même temps, je me pose une question, c'est comment tu peux évincer les bijoux de l'histoire alors que t'as un Jubi qui va frapper? Un Jubi, c'est l'incarnation principale de ce que sont les bijoux, tu vois. Ouais, c'est un peu la maison mère des bijoux, tu vois, un Jubi. Donc comment est-ce que tu peux les sortir du scénario et en même temps nous montrer leur espèce d'alter ego fusionné, je sais pas comment dire, parce que des Jubi, il y en a des tas. Mais comment tu peux à la fois les sortir et à la fois les ramener dans l'œuvre? C'est un peu contradictoire, non? Ouais, j'ai l'impression que dans la tête de Kishimoto, c'est parce que là, vraiment, on parle que du Kama, tu vois. Je pense que ça va vraiment devenir l'essence même du manga Boruto. Et puis, en soi, maintenant, ça va jouer qu'autour de ça, parce que... Otsutsuki, Kama. Otsutsuki, Kama, tous ces délires un peu mystiques, là. Donc, je pense vraiment que Jubi, la seule façon de le tuer... Concrètement, ça va être de compter sur Boruto et puis Kawaki, quoi. Et du coup, tu penses que le Jubi, ça serait pas forcément une menace qui va... Ou les Jubi, hein, parce qu'on sait pas trop combien il y en a qui rôdent, mais ça serait pas trop une menace sur le long terme. On va plutôt vite s'en débarrasser, on va monter dans sa dimension, on le démonte, et après, c'est bon, on termine sur l'histoire Bidu de manière générale, en fait. Ouais, j'ai vraiment l'impression, parce qu'on soit Jubi, on connaît, tu vois. Combats contre Jubi, on les a vus. Enfin, sinon, on repart depuis le début. Il va replanter le truc, refaire germer, tout ça. On va plus s'en sortir. C'est du vu et revu. Je pense vraiment que Jubi, ça va être un truc vraiment. Ça va prendre un petit moment. Ils vont s'en débarrasser. Puis ensuite, ils vont vraiment rentrer dans des trucs cosmiques. Parce qu'en soi, les Otsutsuki, ils viennent pas de. Ils viennent d'autres planètes. Donc vraiment, je pense que ça va vraiment partir dans un délire un peu cosmique. Un peu à la DBS, tu vois. Ouais. Bah ouais, je vois. Et en plus, t'as pas tort, parce que les Otsutsuki, j'en parlais avec Darkoz une fois précédente, les Otsutsuki, si tu regardes bien, tu peux faire vite fait rapidement l'analogie avec les Bidu. C'est les nouveaux Bidu 2.0. Ils possèdent des gens, ils apportent des pouvoirs venus d'ailleurs, il y a un mystère autour d'eux, tu vois. Et il y a un combat interne et un contre-la-montre aussi vis-à-vis d'eux. Et en même temps, on peut puiser dans leur pouvoir. C'est la même chose qu'avec les Bidu, donc ça serait redondant, doublon, d'avoir des Bidu plus des Otsutsuki. Au final, tout le monde va avoir un truc dans lui qui peut activer, ça devient Power Rangers, tu vois. Pouvoir force rouge, force jaune, confiné dans mon corps, je sais pas quoi. On va plus s'en sortir et je pense que tu as très possiblement raison dans le sens où les Otsutsuki et ses délires de Kama sont censés devenir les nouveaux Bijus et donc les Bijus n'ont plus réellement d'importance dans l'histoire. Mais en même temps, ça sera bizarre de se dire qu'il y en a certains qui sont dans la nature et dont on se sert pas. C'est ça. Auquel on fait pas appel, tu vois. C'est ça en fait. Ouais. Du coup, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu disais. C'est intéressant. Tu parlais de Boruto et Kawaki. Et Boruto et Kawaki, d'après ce qui a été établi dans le chapitre 57, il doit faire face à la menace Code et Ada, en fait, très prochainement. Bon, eux, ils sont surtout au courant pour Code. Ils sont pas très au courant pour Ada. Et on a Kawaki qui propose à Boruto de poser un Kama sur Code pour se réincarner en lui. Tandis que Boruto, lui, il veut plutôt... Il considère l'option, mais il veut emprunter un chemin plutôt ninja à l'ancienne. Et il dit, je vais m'entraîner. Et on va s'entraîner, il dit. D'ailleurs, à Kawaki, il essaie un peu de lui imposer. Du coup, est-ce que tu penses, et c'est un peu ce que je pense aussi, que Boruto s'inspire un peu du style du parcours de son propre père, dans le sens où il voudrait plutôt aller vers un contrôle de ce qui sommeille en lui, de Momoshiki, de ce qui le réécrit aussi petit à petit, contrairement à Kawaki. Lui, Kawaki, il n'est plus en cours de réécriture. Et comme on vient de le dire, en fait, on vient déjà d'amorcer le sujet, Kyubi, lui aussi, au final, c'était une menace qui réécrivait Naruto. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Est-ce qu'on va se tourner vers un entraînement basique, je me change en bout de bois, j'envoie des kunai et j'améliore le Rasengan, ou plutôt dans un affrontement interne, Boruto face à Momoshiki dans le sens un peu plus spirituel, ce genre de choses. Moi, tu vois comment l'entraînement. Je suis plus dans la ce que tu viens de dire là, dans l'entraînement spirituel. Parce que ça me fait beaucoup penser un peu à Naruto, comme tu l'as dit, tu vois, Naruto et Kurama. Je pense que Boruto va, je sais pas, il va sûrement aller dans une autre dimension, un peu une salle des Otsutsuki, où il pourra justement avoir un peu cet échange avec. Je vais descendre.
Toneri avec Momoshiki. Ah, Momoshiki. Ok. Et puis, parce qu'en soi, si on regarde bien, ben, Momoshiki et puis Boruto, à la base, c'est un peu le même style de personne, tu vois. C'est un peu des gars qui n'aimaient pas trop s'entraîner, qui étaient un peu du style emprunter de la puissance pour pouvoir devenir, plus fort, tu sais. On a ouais, vu ça, ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, avec la technologie de Boruto. Ouais. Ouais. Puis du coup, je pense qu'il va y avoir un... Ils vont trouver un but commun, dans le sens où Momoshiki n'apprécie sûrement pas certains Otsutsuki, tu vois. Mm-hmm. Donc, il va sûrement s'allier avec Boruto pour pouvoir trouver un but ouais. commun. Et... Mais quelle serait la clé pour être... Parce qu'il faut une garantie à Boruto, pour être sûr que Momoshiki ne va pas le réécrire. Parce que pour le moment, il a l'ascendant, il n'a pas besoin de faire impact. Donc, il faudrait que Boruto ouais. il fasse preuve de suffisamment de force pour stopper, en fait, la progression de Momoshiki. Il faut qu'il ouais. mette un coup de pression, parce que là, la pression, c'est uniquement Momoshiki qui la met sur Boruto. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça va faire un peu comme Naruto et Kurama, parce que Naruto et Kurama, ouais. quand Naruto a libéré Kurama, bah, ils avaient un but commun, c'était buter Madara et puis Obito, tu vois. Ouais. Puis là, j'ai vraiment l'impression que Momoshiki et Boruto vont trouver un... Mais Naruto avait beaucoup progressé, il a eu l'aide interne de sa maman et ce genre de choses, tu vois. Mais ouais, quel va être... imaginons que Boruto puisse pas le faire tout seul 100% comme Naruto et qu'il a besoin d'une aide extérieure. Il a pas le chakra, sauf si c'est pas connu de nous, mais il a pas le chakra de son père qui va apparaître et l'aider à vaincre Momoshiki, tu vois. C'est ouais, pas des, ouais. c'est, de toute façon, ça serait un doublon de ce qu'on connaît déjà. Donc, est-ce que c'est Kawaki qui va entrer dans son monde spirituel et l'aider, comme une fois on avait vu grâce au Sharingan? Mais c'était grâce au Sharingan, justement, on avait vu Sasuke qui s'était immiscé près de Kurama dans Naruto, tu vois. Mm-hmm. Est-ce que Kawaki, vu qu'il est écrit à 80% Otsutsuki, pourrait aider Boruto dans ce combat spirituel, mais de manière mystique, en fait, hein, pour reprendre le terme que tu as utilisé tout à l'heure? Ou est-ce que, au final, c'est Boruto qui va mettre une domination totale sur cet Otsutsuki, qui le ronge et le réécrit totalement? Tu le verras arriver comment, toi? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que... avec toi sur le constat, sur ce qui va se passer, je suis d'accord avec toi, mais c'est le comment faire pour que Boruto y parvienne. Je pense que, ouais. Après, parce qu'en soi, si on regarde bien, ben, y a pas beaucoup de personnes qui sont aussi bien renseignées que ça sur les Otsutsuki, tu vois. À part, à part peut-être Amado, mais je vois pas spécialement Amado. Il y a Toneri, mais tu vois, il y a Louis Kamana dans le chat, il le dit, j'ai vu d'autres personnes aussi. Walid, il le dit. Il y a Toneri, mais... Toneri, comment on fait pour aller le chercher? Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter comme aide, tu vois? Je vois pas comment ça peut être amené, tu vois. Mais après, Kishimoto, on te laisse faire, hein, mais... ouais. Et du coup, tu penses que ça pourrait se faire un délire un peu comme quand Naruto, au début de la guerre, est passé derrière la cascade, là? Là où il a vu le Dark Naruto? Ouais, je pense vraiment qu'il y aura un délire. Parce qu'en soi, tu sais, il y a pas mal d'endroits qui sont reliés, il y a pas mal de dimensions possédées par les Otsutsuki. Je pense vraiment qu'il va y avoir un truc du style, ils vont aller dans une autre dimension appartenant aux Otsutsuki pour pouvoir communiquer, etc. avec Momoshiki. Je pense vraiment qu'il va y avoir un petit délire comme ça. Après, on verra. Hein. Et tu parlais de conflit entre les Otsutsuki. Est-ce que justement, ça serait l'occasion de revoir Kaguya, vu qu'elle n'est pas morte, elle est scellée? Elle pourrait avoir des différends avec certains Otsutsuki, pourrait aider, justement, s'allier, pas vouloir devenir amis, mais s'allier avec la team des héros, parce qu'il faudrait déboîter les autres qui sont trop... trop problématique. Ouais. Alors là, je pense justement qu'ils peuvent y trouver un but commun, parce que Kaguya a trahi Ishiki. Ouais. Donc en soi, si justement ils la décèlent et puis qu'ils lui font part de la situation, pourquoi pas, tu vois. En lui après, disant en plus on a vaincu Ishiki, donc ça les rapprocherait. Ouais. Après, elle a l'air pas très ouverte à la conversation. Hein, ouais. Du coup, Et il y a aussi la notion de Jogan. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais ça pourrait popper dans le manga. En tout cas, à mon sens, ça pourrait popper. Si tu me le permets, je vais juste lire le don qui est passé il y a quelques minutes avant qu'il s'efface. Il y a Je Fonce qui a donné 2 euros. Il a dit « Mettez des flammes dans le chat, mettez des flammes avec l'emoji flamme. » J'ai dit « Passez les flammes, merci. » Merci à Je Fonce si vous le connaissez pas. Bon, il a une chaîne YouTube aussi, n'hésitez pas à checker. Il kiffe les flammes, il kiffe le Barium Mode. Lui, il s'enflamme direct, et pire que Natsu. Donc vraiment, mettez des flammes pour Je Fonce. Merci à toi pour le don, frérot, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, on en était où Kaguya, et je t'avais lancé sur un sujet, non, juste avant que je lise. Je me suis perdu tout seul. Le Jogan. Ouais, le Jogan, ouais. Est-ce que vis-à-vis de la représentation de la divinité Otsutsuki, qu'on a vu lorsque l'âme de Ishiki est venue parler à Code, et qu'on a vu des yeux noirâtres, chapitre 56, si je dis pas de conneries, est-ce que tu penses que c'est une amorce au Jogan? C'était juste une représentation à la con, faut pacifier. C'est une bonne question.
Je me suis pas. Tu le vois ce visuel-là avec la statue géante là, on dirait. Ouais, avec la petite presque un Susanoo, statue. Là. Ouais, voilà. Il y a plein de pupilles noirâtres autour de lui. Et c'est celle du Jogan. C'est la première fois que je vois un Jogan-like dans le manga, tu vois. C'est vraiment la première fois. Et je me dis que ça pourrait être un prémisse à l'introduction du Jogan pour que, durant l'entraînement ou je ne sais quoi, le Byakugan évolue en Jogan ou alors les petites pilules, tu sais, d'Amado, qui lui a dit Naruto, je te les donne pour ton fils. Ça pourrait faire changer l'œil, le Byakugan en Jogan, parce que ça serait un effet secondaire. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il dit bien que ça pourrait créer une perte ou un déclin de la vue. Et dans le premier épisode, on a l'impression que Boruto, il utilise soit l'un des deux yeux. Enfin, il y a un truc bizarre au niveau de ça. Au niveau de sa vision, et même si on l'avait avec un Byakugan dans l'épisode 1, mais il y a aussi eu une interview de je sais plus qui disait que l'épisode 1 serait remanié, pour enfin le chapitre 1 serait remanié, mais on sait pas trop dans quel sens. Donc ça c'est un peu mystérieux, il nous montre un truc qui va finalement changer, donc c'est un peu con, mais c'est la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent. Et du coup, il y a aussi cette notion de Jogan, et comme le Jogan il est appelé l'œil pur, et qu'on pourrait presque le considérer comme l'œil suprême, même si on connaît pas réellement ses capacités, si tu débarques avec un Jogan et que tu as la détermination de toute la Terre avec toi, vu que Boruto c'est devenu le héros de l'œuvre et que tu décèles Kaguya en lui expliquant que tu as vaincu Ichiki, il y a peut-être moyen qu'elle s'associe à toi, qu'elle t'aide à renverser Momoshiki, non? Effectivement, ouais, il y a peut-être moyen, hein. C'est vrai. Après, j'ai du mal à la voir devenir pote avec tout le monde, hein, mais je pense que ce serait une association temporaire. Après, elle part faire sa vie sur une autre planète, elle se trouve un mari martien, ou un truc comme ça. Bon, après, de ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle n'a pas spécialement de personnalité, tu vois. Zetsu Noir, on la connaît plutôt assez facilement. Mm-hmm. Donc, écoute. C'était une femme tourmentée, de ce qu'on connaît. Ouais. Franchement, on verra. Hein. Je pense qu'ils peuvent, si, en tout cas, s'ils vont dans cette direction, je trouve que ça peut être très intéressant. Ouais. De développer les personnages de Kaguya, parce qu'en soi, moi je trouve que dans Naruto, elle a pas été tant développée que ça. Ah malgré non, elle a servi au fight en fait. Hein. Ouais. Après. Il y a eu l'anime Shippuden qui est venu bien développer son passé, sa vie amoureuse, etc. Tu vois. Mais maintenant, on l'a étendu parce qu'on sait qu'il y a eu tout le relationnel avec Ichiki, il y a eu plein de choses encore. On se rend compte que ce qu'on a vu, c'était juste une goutte d'eau dans un verre, tu vois, en termes de scénario sur Kaguya. Il y a plein de choses qu'on sait pas. C'est ça, franchement, c'est ça. Donc, t'es plutôt sur la même longueur d'onde, et même si on est un petit peu dans le flou à voir comment Boruto pourrait prendre le dessus sur son Otsutsuki, tu penses que c'est la piste à privilégier vis-à-vis de l'entraînement qui arrive, et peut-être une aide extérieure, alors du coup, aussi. Tu le vois bien comme ça. Je le vois comme ça, ouais. Ok, ça marche. Salut, Mr. Spider, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir sur le live. Salut, salut. Mr. Spider cochon, putain. Du coup, ouais, y a, en parlant de Boruto et Kawaki, il y a aussi un truc qui a été dit qui est intéressant. Je sais pas si t'as vu la petite preview officielle dans le V-Jump pour le chapitre 58. Tu l'as vu cette petite phrase non, ou pas? Non, c'est pas super vu. Court, hein, mais c'est plutôt intéressant. Ils disent que dans le chapitre 58, bon, ça reste une phrase marketing, V-Jump et tout ça, vous connaissez. Ouais. Et ils disent que les Boruto et Kawaki devront faire face à leurs Otsutsuki respectifs. Et moi, cette phrase-là, ça me trigger, tu vois. Parce que Boruto, il a un Momoshiki en lui, donc je suis d'accord. Mais Kawaki, il n'a plus personne. Alors, comment est-ce qu'ils font face à leur Otsutsuki respectif s'il n'est plus là? Comment est-ce qu'on doit le comprendre? Pour Boruto, c'est sûrement au sens direct, et on vient de le dire, tu vois, entraînement et tous ces délires. Mais pour Kawaki, c'est quoi? C'est au sens du traumatisme? C'est au sens de... Les 80% de réécriture Otsutsuki vont avoir un impact sur sa vie actuelle, même s'il n'a plus de Sokama? Est-ce qu'il va taper dans les petites pilules de Boruto lui aussi, ça va lui faire du mal, tu vois? Et je sais pas exactement ce que ça peut être. C'est vrai qu'au niveau de Kawaki, c'est très flou. Enfin, je vois. Ah, peut-être même. Ouais, par je sais rapport pas. À cette preview, tu vois, Otsutsuki est respectif. Mais il est plus là, son Otsutsuki. Ouais, et en plus, Ada nous a confirmé qu'il était mort, tu vois, Ichiki. Ouais, elle nous a Ichiki. Dit j'ai vu son âme parler à Code et il est mort ensuite. Donc là, c'était pas une feinte, tu vois, l'âme de Ichiki qui est revenue. C'était vraiment bon. Vraiment dead, quoi. Ouais, c'était vraiment dead. Donc c'est bizarre de parler d'Otsutsuki respectif. Après, ça peut être du blabla pour nous enfumer dans un magazine pour qu'on aille acheter le prochain, tu vois. Donc faut pas trop s'enflammer. Mais moi, je me suis dit, putain, il nous balance ça et Otsutsuki respectif, mais il en a plus l'autre. Donc ça peut être un peu comme l'animé le fait en ce moment aussi, en repensant au passé. Pendant des moments sombres, il va être un petit peu en déprime, tu vois, Kawaki. Ouais. Repenser à ce que la maltraitance de Jigen et compagnie. C'est peut-être. Peut-être en aidant Boruto à faire face à Momoshiki, que ça va lui rappeler son propre Otsutsuki qu'il avait en lui, il va mal le prendre dans sa tête, tu vois. Donc je sais pas quel est ton avis par rapport à ça. Comment tu le verrais, si t'arrives à y voir plus clair que moi ou pas.
Dans la logique, je pense que ce serait plus au niveau des souvenirs, un peu comme tu viens de le dire, tu vois. Je pense qu'il va avoir un peu des douleurs fantômes, entre guillemets, des traumatismes liés à ça. Je pense plus que ça va aller dans cette direction-là, parce qu'en soi, il a plus de Kama, il peut rien se passer, logiquement, tu vois. Logiquement. Après, être 80% réécrit au Otsutsuki en ADN, je trouve pas ça super réjouissant non plus, tu vois. Est-ce que ça a pas des effets secondaires? C'est vrai, c'est ça aussi. Parce que dans la balance, même si t'as plus de Kama, tu penches du côté des Otsutsuki, là, si on te fait une prise de sang, tu vois. Je pense qu'il aura des sortes de flash ou des comment, je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais un peu des visions, tu sais. Ouais. D'Ishiki ou des trucs comme ça. Non, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait ce genre de choses, quoi. Ouais, tu penses que l'âme, cette fameuse âme de Ishiki, elle a pu rester un petit morceau de son âme dans le corps de Kawaki et qu'elle peut le hanter sous forme fantomatique un peu? Ouais, je pense. Pas qu'elle soit aussi présente qu'un Momoshiki, par exemple. Ouais. Mais... Il va plus lui faire du mal au sens physique, mais il pourrait toujours peut-être venir lui parler, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Un peu comme quand le Kama était activé sur Boruto, quand on a vu Momoshiki se rapprocher de Boruto, tes yeux bleus te déposséderont de tout. Voilà, ce délire-là. Exactement, ouais. D'accord. Je vois. Peut-être ça peut être que temporaire aussi, hein, le temps que l'âme rende l'âme, justement, mais... De manière résiduelle, une mémoire résiduelle, comme il dit Chris sur le chat. Ok, je vois. Et du coup, dans le chat, j'ai essayé de checker. Ils sont plutôt sur la même longueur d'onde aussi. Ils sont sur l'entraînement, le tenter de contrôler un Otsutsuki, ça va rappeler des souvenirs à Kawaki, des choses comme ça. Il y a Kreos qui a fait un nouveau don de Zoro. Il a dit Amado avait pas parlé d'une frustration. Ouais, bien vu. Merci encore une fois pour tes 2 euros, Kreos. Merci pour ton don. Amado avait parlé d'une frustration, mais ça remonte à il y a quelques chapitres en arrière. Bon, c'est pas si vieux que ça, mais il avait parlé à Kawaki d'une frustration du fait que Kawaki avait perdu le Kama et que Kawaki était frustré de plus avoir ses pouvoirs. T'en rappelles, Roy? Moi, je m'en souviens. Ouais. Et ça n'a pas été remis sur le devant de la scène, ça. Je pense justement que ça, ça pourrait être ça, pas pour faire rien face à son Otsutsuki respectif, non? Dans le sens où Kawaki, il est libéré de plus l'avoir, mais en même temps, il voudrait qu'il soit là pour bénéficier des pouvoirs. Je pense qu'il va voir un peu l'évolution de Boruto, tu vois. Il va se dire, ah ouais, il prend quand même une longueur d'avance vis-à-vis de moi. Ouais. Du coup, il va se sentir un peu en retrait. Ouais, et puis, il va commencer à retrouver un peu ce lien perdu, quoi, je pense, hein. Kawaki pourrait devenir un espèce de Vegeta, du coup, ça serait un peu un petit retournement de veste, parce qu'ils ont pas. Ils sont plus devenus frères que rivaux maintenant, tu vois. Ouais, mais tu sais, il y a toujours cette. C'est un peu à la Naruto Sasuke, tu vois. Ouais. En vrai, Naruto Sasuke, c'est des frères, mais il y a toujours cette combativité. Ouais, t'as raison. Ça peut être bien ça. Et puis, de toute façon, j'ai vraiment l'impression que. Quand il y en a un qui obtient un boost, l'autre aussi, tu vois. Parce que Naruto et Sasuke, c'était pareil. Quand il y en a un qui a un boost, l'autre aussi, il en a un. Quand il y en a un qui perd un boost, l'autre aussi, c'est pareil. Donc, je pense que pour Kawaki et Boruto, ce sera un peu pareil. Ils vont évoluer, les deux, au même niveau, tu vois. D'accord. Ils vont évoluer au même niveau, mais comment faire pour être au même niveau et... quand tu as le bonus au Otsutsuki ou quand tu ne l'as pas, tu vois. C'est ça le truc. Comment tu fais ? C'est pour ça que, justement, je sais pas comment est-ce qu'il pourrait re-avoir un gain de puissance au niveau des Otsutsuki alors qu'il l'a perdu, tu vois. Ça peut être compliqué. Je vois. D'ailleurs, on va en reparler, ça sera le dernier thème du live, un peu de projection vers l'avenir, si on a le temps d'y arriver. Je vois qu'il y a un Ryo Sensei dans le chat là qui partage pas mal d'idées. Je sais pas si c'est le vrai ou si c'est un compte fake parce que il y a pas mal de comptes fake. Non, c'est sa photo de profil. Je vois sa photo de profil et tout ça, mais bon, ça a pas l'air. Je vois tout le monde qui le salue en disant ouais, salut Ryo Sensei. Le vrai, il a l'assertif. Ouais, il a l'assertif, c'est ça que je me disais. Donc vu que là je vois pas de certif, je pense pas que ça soit le vrai. C'est un Kagebunshin là que vous voyez les gars, donc faites attention. Et mais c'est pas grave, t'es le bienvenu quand même, c'est pas grave. De l'autre côté, du côté de la jeunesse toujours, on a Code, on a Ada. Bon, lui il est un petit peu moins jeune, il y a Juby, mais c'est en gros le trio d'ennemis pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut attendre de eux tout simplement? Parce que on avait l'impression que Code allait vite passer à l'acte, et finalement il part dans une secte, il réveille le cyborg Ada. Ça parle beaucoup, c'est normal, comme tu l'as dit en début de live, on est sur la transition. Mais là j'ai l'impression qu'ils vont rester posés un petit moment. Avec pas mal de... Peut-être même plusieurs chapitres de transition
On a Code qui veut lever sa limite, mais ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite, parce qu'apparemment, il faut récupérer deux informations biométriques de Amado, dont ses yeux, qu'il a lui-même modifiés. Donc, il faut capturer Amado, sinon tu n'as pas les yeux. Et, ouais. Et en plus, ils ont quand même un petit coup d'avance sur tout le monde grâce à Ada, qui voit tout. Même le conseil des Kage, elle le voit. Et qu'est-ce qu'on peut attendre vis-à-vis de ces personnages-là? Quand est-ce qu'ils vont attaquer? On a pas mal aussi de trucs qui gravitent autour de ça, comme Ada qui fait des explications qui nous semblent tirées par les cheveux quand elle dit « Ouais, mon pouvoir de voler les cœurs, ça marche pas sur ceux dont les parents sont consanguins, donc de l'inceste en gros. Pourquoi nous balancer des infos comme ça ?» On a Amado qui, lui, je le considère presque du côté des méchants. Il sort de Kara, il a toujours pas fait ses preuves. Mais il nous sort qu'il avait une fille et qu'il l'a perdue il y a 12 ans. Est-ce que c'est Ada? Est-ce que c'était Delta? Donc, pour reprendre ce que nous disait Kreos, que devient Kashin Koji, tu vois? Donc, du côté des méchants, là, on se retourne un petit peu plus de ce côté-là. Est-ce que tu penses que ça va bouger vite? Et comment tu le verrais bouger? Qui va se mettre en marche le plus rapidement parmi tout ça? Moi, je pense que ça risque pas de bouger tout de suite. Ouais. Parce que, comme on a dit, tu sais, on est. J'ai vraiment l'impression que ça prend un peu le schéma de Naruto, tu vois. Après un gros arc, il y a toujours ce petit arc entraînement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Puis je pense que ça va un peu se passer comme ça des deux côtés. Là, ben, comme on l'a dit, comme il l'a dit, Code dans le dernier scan, il peut aller à Konoha et se fighter contre tout le monde, mais il va pas le faire. Ouais, là, il a dit ça, mais franchement, je ne mettrais pas trop une pièce sur Code, hein, vu le niveau qu'il a actuellement. C'est un peu présomptueux hein, de dire là, je pourrais aller à Konoha et récupérer Amado, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, c'est vrai. Du coup, je pense qu'ils vont préparer un peu leur magouille de leur côté, les deux là. Ouais. Puis Boruto et puis Kawaki vont continuer à s'entraîner. Mais je pense qu'au niveau de Code et puis. Ada. Le nom de la meuf. Ada. Ouais. Ils vont. Je sais pas ce qu'ils vont préparer, mais ils risquent de passer à l'action. Enfin, pas tout de suite, disons, mais à la fin de l'entraînement de Boruto. Je vois. Surtout que, peut-être qu'en fin d'entraînement, d'un coup, ils vont popper devant le village de Konoha, là, comme récemment dans l'animé Kashin Koji et Delta, un truc comme ça. Mais bon, il faudrait peut-être plus qu'ils agissent un petit peu en sneaky, tu vois, qu'ils agissent un peu en douce, parce que là, le but principal, c'est récupérer Amado, en fait, si tu regardes bien, pour Code. Ouais. J'ai l'impression Amado, il n'y a pas besoin de faire une invasion de Konoha, il faut plus faire une mission d'infiltration en fait. Ouais, j'ai plus l'impression que Adèle va se faire passer pour une meuf lambda, tu vois. Ouais. Puis qu'elle va essayer un peu de séduire Boruto ou Kawaki, tu vois. Ouais. Parce qu'elle a dit qu'elle pouvait pas justement exercer son pouvoir sur eux, mais qu'ils pouvaient tomber amoureux. Amoureux naturellement. Ouais. Donc je pense qu'elle va jouer de ça avec les deux. Ouais. Pour leur faire créer une tension dans le groupe, tu vois. Ouais. Ça peut jouer comme ça. Surtout si Boruto et Kawaki, tu sais, généralement les entraînements ça se fait en marge du village, pas dans le village lui-même. S'ils sont en marge et que Ada elle va les rencontrer là-bas, ils sauront pas qui c'est, tu vois. C'est un peu comme quand Naruto il avait rencontré la meuf garçon là avec Zabuza Haku. Quand il avait rencontré Haku, tu vois. Donc, il savait pas en fait qu'il allait se taper avec plus tard. Donc on pourra voir ça. Mais aussi pour récupérer Amado, tu peux te rendre à Konoha. Bon, par contre, je sais pas comment ils pourraient faire pour passer les tests ADN, tu sais. Il y a la frontière des Yamanaka qui capte tout le monde. Donc ça, c'est compliqué. Mais imaginons qu'il la passe par je sais pas quelle magie. Une fois que t'es dedans, Ada, elle peut te guider pour aller n'importe où, là où on te verra pas, vu qu'elle sait tout ce qui se passe. Elle pourrait te dire, va, tourne à droite, à gauche, etc. Et t'arrives direct chez Amado et personne sait que t'es là, en fait, vu que Ada, elle a un coup d'avance sur tout le monde. Tu vas en pleine nuit et tu peux t'infiltrer comme tu veux. Je pense pas que, parce que tu sais, comme t'as dit, il y a le Kekai de, de Yamanaka. Yamanaka. Comme ça, dans le village, déjà Naruto il va le sentir, tu vois. Ouais, c'est vrai, il va pas passer à travers. Ouais. Je pense, comme t'as dit tout à l'heure, ça va jouer beaucoup plus sneaky. Ouais. Elle va essayer de les séduire et tout. Non, je pense qu'il y a. Ça va jouer comme ça. Ok, et ce truc de parents consanguins là, tu y vois clair toi sur ça? Où est-ce qu'ils veulent nous mener avec ce délire là? J'ai beau réfléchir, retourner le sujet, qui a des parents consanguins dans l'œuvre? Qui a des parents consanguins dans l'œuvre? Parce que tu nous sors une condition, une limitation à son pouvoir, c'est surtout dans Naruto, c'est pour l'utiliser en fait. Enfin je pense, c'est comme ça qu'on nous a habitués dans l'œuvre Naruto. Ouais. Et elle peut pas utiliser son pouvoir de voler les cœurs sur des Otsutsuki, donc ça on a compris. Et on peut pas l'utiliser sur des consanguins.
Enfin, sur des enfants issus d'une relation consanguine. Enfin, ben, je sais pas. c'est quoi la manœuvre, tu vois? C'est trop étrange, en fait. C'est un peu bizarre, c'est vrai. Je vois pas... Même si tu prends Sarada et Boruto, c'est beaucoup trop loin, tu vois. Indra et Ashura, ça remonte, tu vois. Ben oui, c'est ça, parce que je vois beaucoup de propositions sur les origines Yuga, sur les origines Uchiwa et tout ça, mais c'est des trucs qui remontent énormément, en fait, tu vois, c'est... Génération et génération, c'est plus. Bah ouais, c'est presque comme si tu prenais au sens de religion qu'on a dans notre vrai monde et que tout part de tel et tel être sur la terre. Au final, tout le monde est un petit peu consanguin, tu vois. Donc, mais c'est pas ça, je pense qu'elle veut dire par consanguin. C'est de manière contemporaine. Il y a un parent plutôt proche là qui s'est mis en couple avec sa sœur, un truc comme ça. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Après, est-ce qu'elle veut pas dire, parce qu'il y a toujours l'option de qu'elle soit la fille d'Amado, tu vois. Ouais. Peut-être que on aurait pu se penser, nous en tant que lecteur, ah mais pourquoi il n'utilise pas son pouvoir contre Amado, puis ensuite pour qu'il lui donne le mot de passe pour code, tu vois. Et du coup, comme c'est son père, bah elle peut pas utiliser ce pouvoir contre son père. Comme c'est son propre sang, elle pourrait. Ouais. Ah, c'est intelligent ça. Ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant, mais du coup, elle aurait quand même pu le dire au moment où elle dit, ouais, je veux le tuer, ce vieux con là, dès que je le vois, elle aurait pu le dire. Après, elle n'a pas forcément besoin de livrer toutes ses cartes à Code non plus, tu vois, elle le connaît de nulle part, il la sort de sa. Ouais. De sa série. Là, il y a Firen qui dit que dans le scan, il parlait plus des membres de sa famille pour la limitation de son pouvoir. Alors, Firen, j'ai pas eu les termes en japonais, mais les termes en anglais, c'était depuis la version légale donc de Manga Plus, là, le truc de Shueisha. Quand tu le reprends de là et que tu traduis en français, ça blood relative, tu vois, c'est l'expression, je l'ai noté dans le fichier que j'ai pour aujourd'hui pour le live. Blood relative, c'est parent consanguin, littéralement. Donc après, il y a peut-être une sorte d'interprétation de contexte, mais les mots qui ont été utilisés, littéralement, tu les traduis, c'est pour faire référence à des parents consanguins. Après, faut voir les termes japonais. Ça, j'ai pas l'information. Je pourrais me renseigner, hein, je pourrais aller voir. Mais clairement, là, c'était pour les parents consanguins, c'est pas relative au sens juste proche-parent, comme peut le dire, Luciol Limpide dans le chat, mais c'est blood, donc blood relative, c'est une expression en elle-même qu'il faut, il faut pas sortir de leur contexte les deux mots, faut pas les séparer, et ça donne parent consanguin. Donc, après, est-ce qu'elle se l'appliquait pas à elle-même en disant ça, tu vois? Ouais, est-ce qu'elle se l'appliquait pas à elle-même, mais je l'ai pas capté comme ça, mais oui, il y a Rai Okyol là, qui dit Blood Relative peut rester comme des membres de la famille d'Eida. Oui, oui, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire parce ça, Rai Okyol. Ouais, ouais. Moi, ce que je trouve bizarre... Et ça revient à ce que tu dis, Roy. C'est un peu le truc... c'est un peu une technique d'écriture. Amado nous dit, ouais, j'avais une fille, etc., qui est morte. Bien et sûr. Là, on voit Eida qui nous dit que, ouais, il m'a tout enlevé. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle lui en veut et qu'elle le tuera parce que, comme il l'a modifié, elle ne peut plus vivre l'amour passionnel. Voilà, naturel, c'est ça. Je pense que c'est plus son père, et du coup, c'est pour ça qu'elle lui voue une haine aussi profonde. Donc, Amado n'est pas le père de Delta? Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Ok. Ok, ok. Ok, du coup, Delta, électron libre, et Amado serait si proche de cette jeune femme pour aucune raison, en fait, c'est ça. De qui ça? Delta, la meuf blonde. Ouais. Ah, ouais. Ouais, moi, parce que c'est elle la deuxième prétendante à être... C'était même la première prétendante à être la fille d'Amado de base, si t'as suivi un petit peu toutes tes théories qui tournaient sur Internet. Non. Minchoku qui dit Amado, il a trop d'enfants. C'est vrai, il a des enfants partout, celui-là. Il a des enfants partout. Mais moi, je pense que ça ferait plus sens à que ce soit le père d'Eida que de Delta. Mais est-ce que ça serait pas... C'est bien de soulever ce que tu as dit, c'est une technique d'écriture et tu as totalement raison. Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop limpide comme technique d'écriture? Ouais. Ça se voit trop téléphoné? Ouais. Après, je sais pas. Franchement... Genre, on te sort une nouvelle meuf, l'autre il te révèle qu'il a eu une fille qu'il a perdue. Bon, c'est bon, cette meuf c'est sa fille. Tu vois, c'est 1 plus 1 égale 2, tu vois, directement. Alors que Delta, on l'a un petit peu oublié dans l'histoire. Après, tu sais, parfois faut pas chercher trop loin. Hein. Delta, ouais. Mais... Ouais, je peux pas te donner tort, clairement. Nom de Kishimoto, ah, je sais pas. Franchement. Tu vois, il nous a habitués à nous faire des. des comment dire? À nous proposer des choses scénaristiquement faciles.
Ouais. Et des fois, enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il nous habitue à tout et son contraire, ouais, des fois. Genre le Toby et Obito, on voulait pas y croire tellement c'était simple, tu vois. Alors qu'au final, c'était vraiment ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Il y a Samy qui a fait un don et je te remercie énormément parce que ton don, il est ouf. Il est à 21 $ canadiens. Et je t'en remercie, mais c'est dommage que t'as pas écrit ce que tu voulais me dire, parce que tu m'as dit, est-ce que tu peux lire mon message dans le chat et me donner ton avis? Donc je pourrais le lire avec plaisir, mais vu que tu l'as pas mis dans ta question du chat, enfin du super chat là, n'hésite pas à la reposter ou quoi. Parce qu'en plus j'ai remonté pour essayer de retrouver, mais je l'ai pas vu, donc n'hésite pas Samy. Je te remercie vraiment du fond du cœur, vraiment, merci beaucoup. Du coup, on en était sur ces histoires de Amado et compagnie. Est-ce que tu as confiance en les petites pilules qu'il a fournies à Boruto? Normalement, ouais, ça devrait le faire, tu penses? Ouais, moi je pense que... Ouais, non, je pense que parce ça que peut... Sinon, il va se faire cramer. Si ces pilules, les empoisonnent ouais, Boruto, ouais, il va se faire jarter du village direct. Ouais, et... ouais. Je pense que on peut lui faire confiance à ce niveau-là. On peut lui faire confiance, ok. Et du coup, est-ce que tu penses que Kawaki et Boruto sont... Tu m'as dit tout à l'heure qu'ils seraient la clé pour vaincre Jubi. Est-ce que tu penses qu'ils sont aussi la clé pour vaincre Kodehada? Ou on va avoir un petit retournement de situation? Moi, je pense qu'ils sont pas. Je pense pas qu'ils vont. Parce que là, on est d'accord qu'on nous a dit. Enfin, on nous a dit que Code était beaucoup plus fort que Shiki, tu vois. Beaucoup plus fort que Jigen. Ah oui, que Jigen, pardon. Ouais. Mais que Ishiki Résurrection, ça, on sait pas. Moi, ça me paraît un peu gros, tu vois. S'ils arrivent direct après une ellipse d'entraînement, ouais, on peut se frotter face à eux. Ça me paraîtrait un peu gros. Ouais, mais il y a quand même Kawaki qui a fait un Kagebunshin à Ishiki et il l'a déboîté. Hein. C'est vrai qu'il l'a battu un peu comme un gars de l'académie, mais ouais, je sais pas. Franchement, c'est très dur de se prononcer là-dessus. Ouais. Mais ouais. De toute façon, ça devrait être une intrigue qui va mener post-ellipse, non? Le code ouais. Et Ada. Ouais, je pense, ouais. Pour justifier justement le fait que tout le monde va prendre un pouvoir, y compris Boruto et Kawaki, et qu'ils pourront mettre un terme à ces menaces-là, qu'ils auront le level, tu vois, pour y faire face. Parce que là, enfin, dépasser un Jigen level dans un combat 1-1, tu vois, parce que c'est bien beau de faire un Kagebunshin à Ishiki alors qu'il a plus de force, il s'est battu contre Naruto Baryon, c'est déjà beaucoup, mais tu aurais mis Kawaki dès le départ en 1v1 face à Ishiki, il aurait pas fait un pli, on le ouais, sait tous, bah tu ouais. vois. C'est donc ça. On rigole, tu vois, sur le truc en disant il l'a battu comme si c'était un mec du clan Akimichi à l'académie, tu vois, mais bon, il y a quand même une petite explication dans le fait que Ishiki était affaibli, ouais. Et cette limitation de... Tout tourne autour de Amado, sur bien cette limitation de code, là, tu penses qu'il va faire comment pour mettre la main sur Amado? Parce que là, il est bien gardé, il y a le truc des Yamanaka. Ouais, là, il est bien enfermé, là. Il a bien dit qu'il a bien fait comprendre à Amado qu'il fallait le protéger, sinon il allait lâcher le morceau. Enfin, vraiment, il a tout fait à Amado pour se protéger, il a bien tiré la couverture sur lui. Comment tu peux faire pour l'attraper? Attraper, là, ça, c'est là où ça risque d'être un peu compliqué, parce que Amado, il connaît Ida, logiquement, tu vois. Donc, même si... Tu m'as dit Amado connaît Ida, c'est ça? Ouais. Oui, il la connaît, c'est sûr, c'est lui qui l'a modifié. Donc, dans le sens là, s'ils arrivent... Enfin, si elle arrive à séduire Boruto, et puis que Boruto, il arrive en mode « Ouais, je vous présente un tel », bah, il va la reconnaître, tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça va se faire beaucoup plus subtilement, mais comment? Après, il y a peut-être que faire des appels à des externes de Kara. On nous a sous-entendu qu'il y en avait toujours, en fait. Ouais, peut-être. Je sais plus si c'est ce chapitre... Non, c'est le précédent, je crois. 56, il me semble. Et il y avait Amado qui disait, oui, si vous coupez la tête, entre guillemets, figuré, au sens figuré, des internes, il n'y aura plus d'externes en activité, même s'ils sont toujours là en pleine forme. Donc il se peut qu'ils fassent appel à des externes pour cette tâche-là. Après, j'espère qu'ils vont pas nous faire un truc con, Amado sort du village, ramasser des myrtilles, ou je sais pas quoi, pour faire une recette de druide, là, et il se fait capturer, tu vois. Ça serait parce con là, de sortir ça. C'est beaucoup trop bien gardé là, c'est... Bah ouais, limite, si tu vois Amado, tu dois te taper contre Naruto, donc... Et Sasuke, ouais, tu dois te taper contre tout le monde en fait, tu vois. Ça risque ouais, d'être compliqué quoi. Donc soit tu l'écartes bêtement, soit tu arrives à introduire quelqu'un de manière plus intelligente, mais là ils sont vraiment en vigipirate là, tu vois, Konoha, le moindre ouais. mec qui sort de nulle part, mec ou femme, peu importe, qui sort de nulle part, qui débarque au village, qui dit ouais, je viens en paix... Je vais en paix, je veux faire ma vie à Konoha. Je pense pas qu'ils vont le regarder d'un bel oeil, tu vois. Là, pour le ouais, moment, c'est pas... Donc, j'ai du mal à voir comment ils vont mettre la main sur Amado, mais ça va arriver. Ça va forcément arriver pour libérer Code et avoir une menace plus puissante que la précédente, tu vois. Ouais.
Après, comment... Et peut-être nous mener vers la fin de Naruto, parce que si tu mènes une menace plus puissante que Jigen, voire Ichiki peut-être, et que Naruto il est plus faible que quand il s'est battu face à Ichiki, ça, je donne pas cher de Naruto en fait, tu vois. Même ouais. Sasuke sans Rinnegan et compagnie, ça pue. Ça pue vraiment. Même s'il a aujourd'hui, ça reste des monstres de puissance, là, les adversaires ils sont beaucoup trop forts. Là. Beaucoup, beaucoup trop forts, donc je pense pas que... Là, même, là, franchement, je pense que tu ramènes à Madara, Naruto galère. Hein. Ça dépend sûrement de quelle version de Madara, mais si celui qu'on a vu dans la guerre, ouais, là, il galère, Naruto. Ouais, là, il galère, du coup. Ouais, ça risque d'être compliqué. Si c'est un Madara d'époque, il peut peut-être se le faire, mais un Madara guerre ninja, j'ai un peu du mal. Hein. J'ai peur pour lui, du coup, ouais, ça risque d'être compliqué. Il y a aussi LimTV qui dit, je compte en parler un petit peu plus tard, mais ça revient même, qui dit apparemment il reste deux Otsutsuki inconnus, donc ça c'est une théorie, mais je pense que t'as pas manqué les deux stèles Otsutsuki qui figuraient dans l'autre dimension. Du coup, il y a aussi ça en termes de menace, tu vois. Il y a aussi ça en termes de menace qui pourrait se produire et qui pourrait débarquer. Tu me disais tout à l'heure toi-même que maintenant l'histoire elle tourne autour des Otsutsuki et du Kama. Il se pourrait aussi qu'on ait de nouveaux Otsutsuki sur le dos. C'est ça. Et qui serait aussi contre code, hein, parce que je suis pas sûr qu'il ferait ami-ami avec des petits terriens et des robots. Ouais, c'est ça. Mais après, on sait pas, peut-être qu'ils vont aider nos shinobi préférés, je sais pas. Les Otsutsuki, ouais. Ça pourrait. Et ça puis, s'entraîne justement Boruto à la maîtrise de. Enfin, à la maîtrise. À, entre guillemets, cohabiter avec Momoshiki, pourquoi pas, tu vois. Mais ça me paraît un peu gros, tu vois. Ouais, parce que ça serait quoi le motif de ouais, on vient d'un autre monde, vous avez déboîté tous nos congénères qu'on a envoyés sur Terre, mais on va venir vous aider. On va quand même vous aider. Ah là là. Ah, Luciole, je sais pas dans quel dictionnaire t'as été, mais t'as été pioché dans le mauvais. Il n'y a pas de désinformation, j'ai bien vérifié mon sujet, donc. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit inceste en termes de synonyme, j'ai dit parent consanguin pour Blood Relative. Donc j'ai vérifié dans plusieurs sources tout à l'heure. Mais après, oui, comme je l'ai dit, Luciole, ça peut aussi être lien du sang, comme Roy le sous-entendait. Ne t'en fais pas, il n'y a pas mort d'homme, hein, Luciole, je te vois très, très à cran sur le sujet depuis tout à l'heure, mais on est tous là pour parler d'une passion commune et dans la joie et la bonne humeur. Vive le Nord, nous dit Crazy 13. Ok, si tu veux, frérot. Si tu veux, vive le Nord. Du coup, du côté des méchants, est-ce qu'on a fait le tour ? Il me semble bien quand même. On a parlé de Code, Ada, Jubi, Amado, Delta un petit peu, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire, Delta. Est-ce qu'elle va attaquer le village parce qu'elle est super sanguine celle-là ? Est-ce qu'elle va tenter une attaque de front, mais elle pourra rien faire en fait, elle pourra pas passer. Celle-là, donc je sais pas ce qu'elle va devenir. Et on a Kashin Koji aussi, pour clôturer sur les méchants et rebondir sur ce que nous disait Kreos. Est-ce que tu vois toujours Kashin Koji méchant et tu le vois revenir dans combien de temps ? Après l'ellipse ou ouais, tu penses à prendre une masse de temps ? Je pense que après l'ellipse. Parce que. Enfin. Ouais. Faut qu'il se soigne et tout. Là, ouais. En fait, je vois pas l'intérêt qu'il revienne maintenant, en fait. Je vois pas pourquoi. Ouais. Je sais pas. C'est vrai que. Il est vraiment dans le mal, là. Il est aux portes de la mort, Kashin Koji. Ouais. Moi, je l'ai un peu oublié, perso. Ouais. Mais ça serait pas logique qu'il le ramène pas pour clôturer son histoire. Ça serait histoire ouverte pour rien, tu vois, s'il le clôturait pas. Ouais, non, je pense que ça va quand même être une story terminée. On va la finir, cette histoire. Mais comment ça... Parce qu'en vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il revient maintenant, en mode, les gars, j'ai collaboré avec Amado, etc. Ouais. Ça paraît encore plus louche qu'autre chose. Quoi, mais en tout cas, s'il revient dans l'histoire, il me semble que même s'il serait pas pote avec eux, il a plus d'intérêt à s'allier à Konoha. Parce que si Code et Ada arrivent à leur fin, c'est pas bon pour Kashin Koji. Ça veut dire qu'on plante un Jubi, que la terre elle est rasée. Enfin, tu vois, c'est mauvais délire ça. Ouais, je pense que s'il revient, c'est en tout cas pour s'allier avec Naruto et compagnie. Donc, je le vois pas comme il pourrait aussi revenir dans une bataille, non ? En mode sauveur. Imagine Naruto, il est en galère dans un combat. Il est à moitié en train de tomber dans les pommes, d'un coup il voit la silhouette de Jiraiya qui vient le sauver, il va pas comprendre, tu vois. Tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je vois bien ça dans l'animé, avec un espèce de contre-plan, avec le soleil qui tape fort. Il y a Naruto, il est à 7 de tension, tu vois, il est au bord de sa vie. Et il va dire quoi, Jiraiya Sensei, tu vois, un truc, ermite pervers, là, comme il l'appelait, héros sénile, un truc comme ça, tu vois.
Et il va pas comprendre, et l'autre il va débarquer, il va envoyer du feu, sortir des crapauds et tout ça, et une fois qu'il sera réveillé et soigné, Naruto il comprendra, mais entre temps il aura peut-être été sauvé par lui, tu vois. Ça ouais, pourrait se ouais, faire. Peut-être, ouais. Ça c'est un bon délire Kishimoto-esque. Ouais, C'est vrai, c'est clair. Et pour surfer sur la vague du fanservice, il y en a qui rigolent sur pervers. Mais c'est vrai, c'était un ermite pervers celui-là. Une ermite panette, ouais. Et pour surfer sur la vague fanservice de l'ermite panette, justement, ça pourrait boucler un petit peu la boucle, tu vois. Il faut bien qu'ils se rencontrent à un moment, Naruto et Kashinko, j'ai vu qu'il est resté vivant. Ça devrait ah ouais. arriver, hein. Et en plus, bah, Naruto avait senti qu'il y avait quelque chose par rapport à ce perso, donc. Et quoi de mieux? C'est vrai, il avait senti un truc, ouais, il y avait un feeling. C'est vrai, t'as totalement raison, c'est bien vu ça. C'est quand il le regardait avec la caméra à crapaud, là, en train de se battre face à Jigen. Ouais. Ah ouais, Donc, je bien vu, pense bien que vu. cette histoire ira au bout. Il y a Tensa qui dit le chapitre 58 sort quand? Il sort le 20 mai. Il sort le 20 mai à 17h, frérot. Et du coup, ouais, bah, franchement, on a plutôt bien fait le tour de ses ennemis. On va reparler un petit peu, quatrième sujet là que j'avais noté, on va reparler un petit peu du côté des gentils, mais pas de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure, parce qu'on a bien parlé de Kawaki, Boruto, Naruto et compagnie, mais plutôt le rôle des autres villages dans cette histoire, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avenir, et je dirais même, j'élargirais un peu plus vers les grands ninjas, mais qui sont affiliés à des villages, mais qui sont un peu plus libres par nature. Même Sasuke, tu peux l'englober là-dedans, même si c'est Konoha, mais Sasuke il est toujours en vadrouille. Mais je pense aussi à Orochimaru, je pense à Tsunade, je pense à Killer Bee. On en fait quoi de ces personnages par rapport à tous ces événements? Est-ce qu'on nous a aussi teasé le fait qu'il y avait des espèces de téléporteurs dimensionnels qui étaient cassés au travers le monde et qui pourraient nous aider à aller voir le Jubi? Est-ce qu'on se prépare à avoir une sorte de délégation mondiale issue de chaque zone, chaque pays, qui vont aller casser la gueule à ce Jubi pour le monter en l'air? Ou ça va être quoi leur rôle? Ou est-ce qu'encore ils vont s'asseoir tranquillement dans leur fauteuil là, de Kage et attendre que Naruto et Konoha fassent le sale travail à leur Le place sale boulot. et ils font un petit call sur Skype à la fin pour dire ah GG Naruto c'est bien, il n'y a pas eu trop de pertes. Tu vois, il faudrait qu'ils se bougent un peu. Ouais, mais c'est ça justement que je trouve très bizarre parce que là on parle quand même de Jubi, tu vois. Même Ouais. si on est dans il y a des Otsutsuki, etc., blablabla, Jubi reste quand même la menace numéro un, tu vois. Ouais, c'est Même clair. si dans Naruto, sans Kurama et Ko. Bah Ils Gaara, étaient il a raison de soulever le fait finis, hein. que Momoshiki, c'est quand même la menace numéro une à surveiller de manière proche. Mais t'as totalement raison, Jubi, c'est plus qu'à surveiller, tu vois, c'est plus qu'à contrôler, à déboîter. Et ça, c'est au sens mondial, là, c'est pas un petit problème pour Konoha, c'est pour tout le monde, en fait. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je me dis que y a plus Kurama, etc. Comment ils vont faire? Parce que la coalition, l'alliance ninja, on l'a vu hein, sur le champ de bataille dans Naruto, c'était Ouais. pas. Ok, ils ont fait des combos de jutsu, etc. C'était cool, mais celui qui a vraiment fait le boulot, c'était Naruto. Donc Ouais. là, je sais pas comment ils vont faire. Hein. Et du coup, Vraiment, ça ouais, risque pendant d'être. la guerre ninja, on a même vu des centaines ou des milliers, je sais pas, je les ai pas comptés un par un, tu vois, de ninjas qui sont associés face à Jubi avec des jutsus en masse et tout ça. Et là, imagine, ils envoient une petite équipe de 10. Comment on peut justifier qu'ils vont battre Jubi? C'est ça, c'est ça. C'est là où justement je pense que Mais sans il parler va des y avoir. possibilités à le battre, est-ce que tu penses qu'ils vont se bouger déjà les autres villages? Est-ce qu'ils vont intervenir dans cette bataille? Contre Jubi, tu dis? Ouais, contre Jubi. Ouais, je pense quand même qu'ils vont faire quelque chose Tu vis-à-vis de penses ça. qu'ils vont envoyer les Kage? Parce que si t'enlèves les Kage, déjà les Kage sont pas bien forts, je sais pas ce que t'en penses, Ouais, mais en ils sont dessous des Kage, pas. il y Non. a qui? Ils sont tous claqués dans Il y les villages en a. fait. Il y Ouais, a que c'est qu'il y a. Y a personne. y a que des Ebisu Sensei, tu vois, Ouais, Ebisu Sensei tiers en fait, tu vois, y a c'est pas personne, fou. il y a clairement personne, à part les Kage. Enfin, Asuna, je vois personne, à Et part quand je dis Gaara. Kage, t'as les Kage et leurs assistants, tu vois, et les Kankuro, Ouais. les machins, mais bon, ça. Ouais, c'est des PNG hein, pour moi, Ouais, vraiment. voilà, t'as ça, et t'as Killer Bee qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai cité, tu vois. T'as Killer Bee Ouais. aussi, et là, ça remet encore sur le devant de la scène les bijoux, tu vois, encore une fois. Mais moi, je pense pas qu'il y aura des Tsunade, Raikage, tout ça, tu vois. Ils ont fait leur temps. Je pense Ouais. que vraiment. Orochimaru, il a rien à faire là-dedans? Ouais. Orochimaru. En vrai, Orochimaru, pour qu'il vienne, faut qu'il y voie un intérêt, tu vois. Ouais, faut qu'il puisse se Orochimaru, transformer en il. Là, Orochimaru ne bouge pas tant qu'il y gagne pas quelque chose. Donc en Ouais. vrai, je sais pas, ça risque vraiment d'être compliqué. Hein. Mais bon, là, c'est pour la survie de son monde aussi, donc Ouais. je sais pas. Ça risque. Après, Orochimaru,
tu vois, il est fort, mais ça s'arrête là, tu vois. C'est pas non plus... Non, mais c'est une intelligence de guerre, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Lui, il peut te sortir un sérum qui affaiblit du bi, ou tu vois, il peut te sortir des trucs comme ça, en fait. C'est ça qui est intéressant. Qui l'empêche de se démultiplier quand tu tapes dedans. Enfin, il peut... Il aime bien l'organique, tu vois. Ah, ouais, Kabuto. Ah, ouais, il y a Kabuto, c'est vrai, Kabuto. Mais après, justement, c'est là où ça me fait un peu peur. C'est qu'on va retomber un peu dans les travers de Shippuden, tu vois. Est-ce que ça risque pas de nous refaire une quatrième grande guerre 2.0? Je sais pas. C'est là justement où... Quatrième grande guerre, mais là, pour que ça... Enfin, cinquième. Pour que ça soit, pour que ça soit une cinquième grande guerre, il faudrait que le Jubi réplique ici, en fait. Parce que si c'est une délégation qui utilise... Parce que là, on le met sur la piste qu'il y a des téléporteurs et que, possiblement, on pourrait les remettre en place, les réparer pour aller faire un petit coucou au Jubi. Donc ça serait une bataille dans la dimension. Pour moi, une guerre, ça serait plutôt si le monde ninja de la Terre se fait envahir, non? Ouais. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Mais le souci avec Jubi, vraiment, je ne vois pas... Parce que... Dans Shippuden, il y avait les quatre anciens Kage, donc Hashirama, Tobirama, etc. Ouais. Il y avait les nouveaux, Naruto, Sasuke, et même avec ça, c'était compliqué. Ouais. Et là, il y avait des milliers de soldats qui tabassaient dans le jeu et tout. Hein. Hein. Là, je me dis, mais comment ils vont faire, quoi? C'est vrai. Bon, après, par contre, tout à l'heure, on parlait de l'hypothèse. On va loin, hein, c'est aussi le but du live. Tout à l'heure, on parlait de l'hypothèse Kaguya. C'est clair que si tu ramènes Kaguya face à un Jubi, il y a moins de parler, tu vois. Y a moins alors, ouais, là, c'est vrai que si tu ramènes Kaguya, c'est une autre force de frappe. Là, c'est sûr que... Je vois pas pourquoi, comment Jubi, on ferait ça, mais c'est juste pour rebondir sur ce qu'on disait, tu vois. Si Toneri se met à bouger, ça peut être intéressant aussi, tu vois, des choses comme ça. Et c'est peut-être ça la clé. Tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le chat qui nous a parlé des deux Otsutsuki qui pourraient venir sur Terre par rapport au stèle. Et toi, tu m'as dit peut-être que ce serait des Otsutsuki qui vont aider. La clé pour sauver le monde ninja, ce serait peut-être aussi les Otsutsuki, tu vois. Peut-être avoir des Otsutsuki alliés. Ouais. Parce que là, on voit plus de pistes par rapport aux mortels. Il reste Gaara avec sa vieille coupe. Tu vois, Shojuro, qu'est-ce qu'il fait lui avec son épée? Il la recharge pendant 3 quarts d'heure. Tu vois, c'est super compliqué en fait. Donc, c'est pour ça que là, je pense vraiment que pour que Boruto évolue, il faut que ça aille dans des délires un peu cosmiques, parce que sur Terre, il n'y a plus personne qui peut se frotter à un Jubi, tu vois. Ouais. Naruto, il peut pas, du coup... Déjà, il peut, même là, à plein pouvoir Baryon, il pouvait rien faire seul face à un Jubi. Ouais. Ça risque d'être compliqué. Après, on va avoir une surprise, tu sais, Roy, je viens d'y penser, excuse-moi, je te coupe. Je te coupe brièvement, je viens d'y penser, vu qu'ils sont réécrits 80% en Otsutsuki, ils pourraient pas avoir une domination psychologique, mentale, comme un petit chien, un petit animal de compagnie, Kawaki et Boruto, ils pourraient pas lui donner des ordres et tout au Jubi, et du coup il y aurait même pas de bataille. Ah, peut-être, pourquoi pas. Et du coup, la hype elle tomberait, tu vois, parce que le côté menaçant, là tu le casses d'un coup. Mais normalement, un Jubi il obéit plus ou moins à un Otsutsuki en fait. Ouais. Mais il aime bien les bouffer aussi, les Otsutsuki, donc c'est un peu bizarre, hein, comme bête. Ce serait un peu bizarre d'avoir un Jubi en... Je pense qu'ils vont l'éliminer, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi. L'éliminer assez rapidement, tu vois. Ouais. Il y a Nico PSG, il a dit, faut pas oublier les 7 nouveaux épéistes. Ah putain. 7 nouveaux épéistes. C'est vrai. Il y a beaucoup qui disent Kabuto et Dotensei. Moi, j'y crois pas une seconde, les gars. Bah, Kabuto qui intervient, qui est entre Mitsuki et tout, tu vois, j'en parle dans une vidéo il y a quelques jours, je vois bien ça, mais Kabuto et Dotensei, je pense pas. Il est à moitié sec, Kabuto et tout, je pense pas. Moi, franchement, je pense que les anciens persos, enfin ceux qui sont morts en tout cas, faut les oublier. Il y aura pas de Itachi retour. Je pense, non, ceux qui sont morts, ils sont morts, tu vois. Bah ouais, surtout qu'on les a déjà revus en fait, donc ramener des mecs qui sont déjà ramenés, ça fait un peu lourd en fait. Ouais, je trouve que ça a aucun sens quoi. Parce qu'en soi, tu retombes un peu dans Naruto, c'est plus Boruto, tu vois. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi, 100% d'accord avec toi. Pourquoi tu dis que Kabuto n'est plus comme avant Saikyo? Parce que je trouve que c'est plus la même force de frappe. Kabuto, Kyol qui pose la question dans le chat, je sais pas ce que t'en penses, Roy. Kabuto, je sais pas, je pense pas que ce soit la même force de frappe que celle qui a fait ses actes face à Sasuke, face à Itachi, et qui a perdu d'ailleurs, face à Sasuke et Itachi. Et après, dans le scénario, là c'est même pas une question de capacité ou non, je pense que dans le scénario, Kabuto,
c'est pas la meilleure des options. L'Edo Tensei, en fait, c'est pas la meilleure des options. En tout cas, l'Edo Tensei sur les Hashirama, les Abusa, les machins, on les a déjà vu revenir, c'est bon, on a terminé l'histoire, ouais. Elle est terminée, tu vois. Il y a peut-être encore, à la limite, le corps de Madara, on sait pas trop où il est parti, lui, à la fin de la guerre. Son corps, je dis bien, pour pouvoir récupérer un œil ou quoi pour Sasuke. Mais si t'as une information sur ça, je suis preneur, oui, mais à ma connaissance, on sait pas où il est passé son corps. Bah, généralement, il nous est dit que quand un shinobi meurt, bah, déjà, ils étudient son corps, tu vois, pour percer les secrets. Mais un ninja comme Madara, bah, il le brûle, tu vois, le corps. Ouais. C'est pour ça que au massacre du clan Uchiha, ils n'ont pas retrouvé autant de Sharingan parce qu'ils avaient brûlé les corps, tu vois. Donc ouais, je pense que pour Madara, ça doit être un truc du style. Je pense qu'ils ont brûlé son corps et puis de peur que ça recommence, tu vois. Ouais, je vois. Madara, c'est pas n'importe qui. Ouais, je suis d'accord. Il y a Samy qui a fait le don tout à l'heure, alors je sais pas si c'était ce message-là que tu voulais que je lise, mais qui a dit « En plus, Naruto ne bénéficie pas de la force de son clan, contrairement à la plupart des personnages de l'œuvre. Je te donne un exemple, Naruto est mort quand on lui a retiré Kurama, donc il n'a pas... » Et t'as pas terminé ta phrase. Je regarde si tu l'as terminé. Donc il n'a pas... Non, t'as pas terminé ta phrase, Samy. Ensuite, t'as dit « Il connaît aucune technique de son clan. » Et après, il dit « Contrairement au clan Uzumaki, les Uchiwa ont une force génétique qui écrase tout le monde facilement. » Les Senju aussi n'ont aucune force. J'ai pas trop capté par où tu voulais en venir, Samy. Le seul qu'il avait, c'est Hashirama, qui doit sa force au Mokuton et Tobirama grâce à ses techniques, mais aucune force dont leurs descendants peuvent bénéficier. Samy poursuit en disant, par ailleurs, la technique de régénération de Tsunade ne la doit pas à la génétique dans l'anime. Elle dit qu'elle l'a inventée et l'a transmise à Sakura. Ouais, je vois à peu près, mais pour la technique de Tsunade, y a moyen aussi que ça descende des Otsutsuki, ça ressemble beaucoup au Kama, ils ont déjà fait le lien avec ça dans Naruto, enfin dans Boruto. Je pense que tu t'en rappelles aussi, Roy, là, quand ils avaient fait le petit lien avec ça dans l'œuvre, ils avaient dit que ça ressemblait un peu au Kama et tout, ils avaient dit que c'était pas forcément la même chose, mais il y a moyen que ça soit un lien de filiation, de façon tout par deux, sur Terre, dans Naruto. Donc clairement ça peut être de là. T'es là, Roy, ouais? Je suis là. Ok, ouais, je t'entendais un petit peu loin. Du coup, on est un peu perdu par rapport à ces autres villages, mais on pense quand même qu'ils vont agir. Après, quel type de délégation ils peuvent envoyer, mis à part les Kage? Ça semble compliqué. Ouais. Ça semble compliqué parce qu'il n'y a personne d'autre. Ouais, ils n'ont pas une force de frappe. Ouais. À part les Kage, il n'y a personne. Hein. Mais par contre, le truc, c'est, comme tu l'as soulevé, bah, pendant la guerre, ils n'étaient pas suffisants face à Jubi. Donc s'ils y vont, ils vont se faire soulever. Et si tu perds les Kage, il n'y a plus rien sur Terre. Donc c'est vraiment une putain de grosse crise. Parce qu'en plus, sachant que... là, le monde ninja est en paix, tu vois. Ouais. Donc, les ninjas, entre guillemets, ils sont moins forts que dans Shippuden. Ils s'entraînent pas, ils sont pas sur le qui-vive et ouais, tout. Mais... ils s'entraînent plus. Donc, là, même s'ils décident de refaire une armée, bah, l'armée qu'il y a maintenant, elle sera beaucoup moins forte que l'armée qu'on avait durant la 4ème guerre ninja. Donc, en soi. Je suis totalement d'accord. C'est une opération suicide, quoi, si c'est pour tous. Ouais, je suis totalement d'accord, mais en même temps, leur seule option pour éviter que Jubi réplique ici, c'est d'aller le voir là-bas. Ouais. Donc, c'est un peu, ouais. Après, tu peux peut-être aussi ramener les... Parce qu'il y a des bidus qui sont en liberté, là, en ce moment, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Des bidus qui sont en liberté, tu peux peut-être les téléporter dans l'autre dimension, et ça sera leur combat final, ils vont tous mourir et emporter Jubi avec eux, tu vois. Et comme ça, on en revient, j'essaie de boucler ce que tu me disais tout à l'heure, Roy, dans le sens où on termine le récit des bidus, et ils crèveraient en battant un Jubi, mais bon, je sais pas, il y a un petit truc, il y a un petit côté, ça manque de finition cette histoire-là, tu vois, et pas dans le mauvais sens du terme, pas dans le sens où c'est mal écrit, dans le sens où ça va arriver. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire tous les personnages super faibles relativement à ce que c'était avant les générations ninja, avec des ennemis qui sont tous plus balèzes que les autres. Code plus balèze que machin, Ada plus balèze que machin, Jubi qui est aussi balèze que le Jubi de l'époque. Ça s'arrête pas, et du côté des héros, ça fait que régresser. Ça s'endort, c'est calme, ça fait des petites discussions Skype, y a rien qui bouge. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils peuvent pas tout faire reposer sur un gamin de 14 ans, et tu vois, enfin, c'est pas possible, tu vois. Boruto et Kawaki, ils vont pas se taper les deux contre toutes les entités cosmiques qu'il y a dans les... C'est pas possible, tu vois. Ils auront forcément besoin d'une aide extérieure, parce que... S'ils étaient adultes, je veux bien, mais là, en l'état, ouais, je suis totalement d'accord. Là, c'est trop compliqué, quoi. Ouais, parce que se taper contre des entités cosmiques à deux, c'est ce que font Naruto et Sasuke maintenant, tu vois, avec toute leur histoire, tout leur vécu, tous leurs entraînements, mais deux gamins, c'est trop, en fait. Ouais. En plus, Naruto et Sasuke, ils étaient déjà... Ils avaient quoi, 16 et 17 ans, tu vois. Là, ouais. Boruto, c'est encore un gamin.
Ouais, ça risque d'être compliqué. Et Naruto et Sasuke, ils avaient des aides aussi, hein, Rikudo Sennin et tout ça, ils ont eu de multiples aides, ouais, hein, des entraînements, des sensei en pagaille que Kawaki et Boruto n'ont pas, mis à part le fait d'avoir été possédé par un Tsutsuki, mais ça va pas plus loin que ça pour le moment. Hein. Ils ont des grosses capacités de base, mais bon, voilà, ça va pas plus loin que ça. Et puis tu vois faire Kawaki qui fait des trucs de ouf là récemment dans l'anime face à Garou, dans le manga face à Ishiki, et tu te dis, mais ok, il est modifié, mais ils ont donné quoi à bouffer à celui-là, tu vois, il fait des trucs, tu sais pas d'où ça sort. C'est vrai, hein, c'est... franchement, moi je suis surpris quand je vois des petits gosses faire ça, hein, parce que c'est pas un manga dans lequel normalement un gamin est censé faire ça, tu vois, et d'un coup, du jour au lendemain, c'est devenu un manga dans lequel ça se passe comme ça. Donc c'est un peu choquant. Ouais, il y a la technologie, comme il dit, je fonce. Amado, il peut créer des armes, il crée déjà des cyborgs plus puissants que Jigen. Faudrait qu'il se bouge lui aussi, hein, s'il pouvait nous créer 2-3 cyborgs qui peuvent battre Code et Ada, tu vois, ça pourrait aider. Mais elle va savoir combien de temps ça lui prend aussi de créer ses cyborgs. Mais bon, en bossant avec Katasuke et tout, il y a moyen. Il y a moyen, je pense, hein, au niveau côté scientifique à Konoha de se bouger. Ça risque d'être vraiment compliqué, moi je dis, hein, cette guerre. Enfin, il pourrait nous prendre un cyborg ultime, hein, côté Amado, Orochimaru, peut-être Tsunade aussi avec ses compétences, tu vois, Katasuke. Ils peuvent nous en prendre un qui soit du côté des gentils et qui tabasse tout le monde, mais... Je sais pas, est-ce que vous avez envie de voir l'œuvre Boruto devenir un combat de cyborg, tu vois ? Un combat de mecha et tout, enfin... Ouais, voilà, un Terminator, tu vois, c'est, je kiffe Terminator, mais c'est pas Boruto, tu vois, c'est pas Naruto non plus. Donc, faut voir jusqu'où ça mène cette histoire-là. Pour le moment, ça va, malgré tout, on a des craintes là, mais ça va, l'histoire, elle est super bien menée et tout. Mais on se demande si ça va pas devenir trop, en fait, c'est ça le problème, voilà, parce que les menaces sont trop. Moi, j'ai peur que le côté ninja, il s'en aille, tu vois. Bah là, ouais. Déjà... Oui, j'allais te dire ça. Déjà là, c'est compliqué, mais ouais. Plus on avance, je me dis purée... Moi, je me rappelle, j'avais été choqué quand j'avais vu... Et pourtant, c'est rien, l'exemple que je vais donner, mais quand j'avais vu... comment il s'appelle celui-là ? Ao, qui débarque avec une sulfateuse. Et tu vois, il commençait à sulfater tout le monde comme si c'était Rambo et tout. Je me suis dit, mais on est où, tu vois ? Ouais. C'est Ao, en plus, c'est pas un mec qui sort de nulle part. C'est si j'avais vu Garou, là, tu sais, de Kara, qui débarque, ouais, et qui fait ça, je le connais pas, le type, donc pourquoi pas. Mais Ao, qui était un ninja et tout ça, bon, il y a un récit derrière, parce qu'il a abandonné ce qu'il était de la guerre et tout, mais malgré tout, tu le vois débarquer comme ça, et tu dis, ah ouais, putain, c'est plus du tout la même œuvre. Alors que c'est la même, et que malgré tout, ça reste un monde ninja, il y a toujours des trucs mystiques et tout, mais on a peur que ça devienne que ça, en fait, que des trucs cybernétiques. Amado, on a cru qu'il était normal, même lui, il a des yeux qui sont des trucs robotiques, tu vois. Donc ça peut vite dériver. Pour le moment, c'est bien mené, mais ça peut vite dériver. Je pense que c'est ça que... Enfin, pour ma part, c'est ça que je pense. Je sais pas si t'es sur la même longueur d'onde aussi, Roy, mais... D'accord. On n'est pas en train de se plaindre de ce que c'est, mais on a peur pour ce que ça peut devenir, en fait. Moi, je suis vraiment... J'ai toujours dit à mes abonnés, je suis un puriste un peu, tu vois. Ouais. Je suis un gars. Tu portais des t-shirts, c'était mieux avant, c'est ça. Mais voilà, c'est ça exactement, le côté shinobi ninja, tu vois, c'est ça que j'ai kiffé. Non. Je préfère avoir un combat de taijutsu et de quelques kunai et shuriken gros rasen shuriken et tout. Ouais, c'est bon. Après, je pense que Kishimoto, c'est un peu un mec comme ça dans l'esprit, et qu'à un moment, il va nous sortir un putain de combat dans lequel il y a quelqu'un qui va se battre au taijutsu face à un putain de robot, il va le démonter, tu vois, pour nous montrer que le nindo et tout, ça passe avant. Ouais. Mais il risque d'y avoir un long déroulement dans lequel on va avoir beaucoup de cybernétique, des Ada qui voient tout. C'est quel pouvoir ça, le Senrigan, tu vois ? Elle se concentre sur une zone, sur un personnage, et elle voit ce qu'il fait. Elle voit le conseil des Kage. C'est un pouvoir cheaté, mais de ouf, tu vois ? Ouais. On n'a jamais vu ça comme pouvoir. Enfin, moi je trouve, on monte trop dans des... Tu vois ? D'un côté, c'est bien, tu vois ? Franchement, ouais, c'est bien parce que ça apporte un peu de la nouveauté. Ouais, je suis d'accord. Mais le cheat code, là, il est un peu trop abusé. Voilà, c'est vraiment un peu à la DBS, tu vois. DBS, ils sont montés à un niveau. Tu te dis, mais encore, quoi, si tu regardes DBS, c'est pas pour défendre ou quoi, je suis pas là pour ça, mais DBS, c'est de la montée de pouvoir, pouvoir sur pouvoir sur pouvoir. Et ce qui nous déroute dans Boruto, c'est que c'est pas juste le fait qu'il y ait des power-ups, c'est l'aspect, la direction, l'ambiance que ça prend, tu vois, le fait que la nature n'est plus la même, en fait, parce que même si dans DBS, ouais, ils ont dit c'est du pouvoir divin, si tu regardes Cell face à Gohan SJ2, ou tu regardes Goku face à Goku Black, ou je sais pas quoi, ça ressemble, les combats, tu vois, c'est les mêmes, il y a des Kamehameha, il y a des boules de ki, il y a des transformations, c'est le même fonctionnement. C'est juste sur le papier qu'on nous fait croire que ça change, mais en fait, DBS, c'est la même chose qu'avant. C'est pareil. Et dans Boruto, ils prennent le parti, et c'est bien, hein, d'assumer ses choix, c'est bien, et je dis pas ça du tout en mal, c'est bien, j'aime bien voir les choses évoluer,
Et dans Boruto, ils prennent le choix de changer la nature des choses, en fait. Et comme tu l'as dit toi, on n'est plus à l'ancienne, on n'est plus forcément avec du ninjutsu, du taijutsu, des shinobi, de l'infiltration. Maintenant, on se rentre dedans et avec des, voilà. avec des robots, tu vois. Et il n'y a plus de... Regarde, même l'observation, les ennemis qui venaient à l'abord du village pour observer en pleine nuit, qui prenaient des infos et tout, ça se fait plus. Maintenant, il y a Ada, elle reste chez elle en train de boire un whisky et elle arrive à voir ce qui se passe à un million de kilomètres. Tu vois, c'est ça, c'est fou. Hein. Ouais. Et on perd un petit peu les valeurs de ce que c'était pour nous apporter un nouveau truc. Et après, c'est normal, le changement, ça fait toujours peur, tu vois. Dans le vrai monde, dans la vraie vie, tout ça, dès qu'il y a un changement, c'est générationnel et tout. Tu vois, mais ça fait toujours peur. Mais, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être fermé d'esprit, il faut l'accueillir, il faut lire les chapitres, il faut voir ce que ça donne et tout. On va pas juger alors qu'on ne sait pas comment c'est. Mais je suis d'accord avec toi, il y a un petit côté, des choses d'avant se perdent et on n'est pas sûr d'y gagner dans la balance avec les nouvelles, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Parce que, bon, pour l'instant, ils le font bien. Hein, ça... ouais. Moi, je kiffe lire les chapitres. Mais ouais. Je me dis... en fait, j'appréhende toujours le prochain, tu vois. Je sais jamais... S'il ne va pas avoir la dinguerie de trop, en fait. C'est ça, exactement. Bah, la preuve avec Kurama, tu vois. Ouais. J'ai vu Kurama partir, j'étais là, mais attends. Ouais, mais encore, ça, encore, au final, ça dénature pas trop l'œuvre, tu vois, parce qu'un personnage légendaire qui disparaît, qui meurt au combat, c'était ce qu'on a eu de, presque de plus classique que d'habitude, sauf que ça a bouleversé nos habitudes d'avoir le duo Naruto-Kurama, quoi. C'est là où on a été bouleversé, parce qu'on s'est attaché à ce renard. Mais en soi, au final, c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Mais c'est vrai que le délire technologie, ninja, il n'y a même plus des vrais ninjas, tout le monde est robotisé, ça devient cyberpunk. On ne l'avait pas forcément vu venir hein, quand on était dans pleine 4ème grande guerre ninja. À la 4... Si tu veux, pour rebondir sur ce que tu dis, quand on était à la 4ème guerre face à Kaguya, là, ça ressemblait à DBS, tu vois. Là, on y était dedans. Il y avait les divinités, entre guillemets, Otsutsuki. Les mortels là, de la Terre qui récupèrent des pouvoirs Otsutsuki comme le ki divin DBS, tu vois, et ils se battaient à armes égales sur ce plan-là avec des power-up de fou, en ayant des pouvoirs qui explosent dans tous les sens. Là, ça faisait un peu évolution à la DBS, et là, il y a un gros virage qui a été pris, toujours avec autant d'explosivité, mais avec des choses qui, quand on est des vieux de la vieille, tu vois, qui avons vu Naruto, enfin, qui avons vu Rock Lee face à Gaara, tu vois, on se dit, ah ouais, mais on est dans quel monde, là c'est plus la même, tu vois. Et c'est où les 8e portes et la défense ultime de sable et tout, tu vois, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Du coup, on arrive dans le dernier tiers, j'oserais dire, de ce live, et j'ai vu tout à l'heure passer une question, et ça tombe bien parce qu'elle faisait partie de ce que j'avais prévu de discuter aujourd'hui, l'ellipse que tout le monde appelle un petit peu Boruto Shippuden, tu vois, pour essayer de se comprendre. Et monsieur Ikemoto, qui est le dessinateur du manga, je pense que t'as pas raté la news, il avait annoncé ça comme proche. Comme quoi, elle allait arriver dans pas longtemps du tout, cette ellipse dans l'œuvre Boruto. Sauf qu'il nous a annoncé ça il y a quand même quelques mois. Donc, il nous a dit c'est proche, mais on n'en voit pas la couleur. Alors, est-ce que ça arrive en 2021 ou au final, il a dit ça pour nous hyper et il n'y aura rien cette année et il va falloir encore attendre, de voir Code et Ada pendant quelques mois qui se baladent dans divers pays de neige ou je ne sais où, là, pour finalement, en 2022, avoir une ellipse? Ou tu penses que vraiment, on va taper dans le dur, peut-être vers l'automne ou fin de l'été 2021 pour avoir des grosses annonces, je sais pas moi, en Jump Festa, tu sais, en décembre, pour nous dire, ouais, il y a un nouvel arc avec l'ellipse et tout, soyez chaud, soyez sur le qui-vive. Ouais. Donc en fait, vers septembre, octobre, on basculerait déjà vers l'ellipse, tu vois. Tu le verrais comme ça ou tu penses qu'ils vont faire traîner? Je pense que je verrais un peu dans ce... Parce qu'en vrai, là, je vois pas trop l'utilité de faire traîner. Je pense que là, s'ils veulent faire une ellipse, c'est le bon moment, tu vois. Ouais, c'est peut-être pour l'animé, tu vois, qui va faire traîner. Pour gagner des chapitres, pour que l'animé, il ait pas trop de retard. Mais il n'est pas trop de retard. C'est vrai que si ça arrive au niveau de l'été, ça peut être pas mal. Moi, je trouve, hein, en tout cas, personnellement. Ouais. Parce que ça risquerait de nous garder un peu dans la hype sans trop faire redescendre ça. Ouais. Donc, à ce niveau-là, ça peut être bien. Après... Surtout que Ikemoto, quand il a annoncé l'ellipse, il a été clair dans les propos. Il n'a pas dit que ça serait directement ellipse et on arrive sur Kawaki face à Boruto. Il a dit on va arriver à l'époque où ils sont à cet âge-là. Donc il peut se passer beaucoup de choses, encore quand ils sont adultes, avant d'en arriver là où ils se tapent à Konoha. Ouais. Bah ouais. Donc tu peux avoir ellipse et peut-être 10 chapitres, et 10 chapitres ça fait 10 mois, tu vois.
un chapitre par mois, forcément, j'ai pas besoin d'avoir fait trop d'école. Ouais. et du coup, ça te ferait 10 chapitres. 10 chapitres en soi, c'est rien, tu vois, quand tu les lis comme ça, mais ça te tient quand même 10 mois en haleine, dans lesquels on pourra voir Kawaki et Boruto adultes, et puis on n'est toujours pas à l'étape de Konoha détruite. On est toujours ouais. en train de remuer le truc avec Code, il aurait peut-être toujours pas levé sa limitation et tout. Ouais. C'est vrai que, fou, vu comme ça, ça peut être long, hein. Ouais, ça peut être très long, parce qu'il a été... il est pas con, hein, quand il a fait sa déclaration. Il a pas dit, ouais, les gars, je vais vous proposer le combat à Kawaki, Boruto, adulte. Je vais juste vous les montrer adultes très bientôt. C'est pas la même chose, c'est pas le même délire. En vrai, moi, le combat, en soi, il... C'est pas le combat qui m'intéresse, c'est vraiment le... Le fond derrière d'histoire. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on va y arriver à ce combat-là, ouais. Parce que pourquoi il y a ce combat-là aussi? En soi, ce qu'il y a tout autour, pour l'instant, je vois pas les deux... taper dessus, tu vois, donc... Bah ouais, et tu vois pas Konoha détruite de sitôt et tout, tu vois, donc, ouais. À part invasion du Jubi, mais sinon, on sait pas pourquoi. Compliqué. Du coup, dans le chat, ça dit quoi par rapport à cette ellipse? Le combat Kawaki-Boruto, c'est peut-être le dernier de la série? Ouais, peut-être, mais en tout cas, l'ellipse arrive de manière proche, tu vois, d'après le dessinateur, donc... Donc ça, c'est possible. Younes qui dit « L'anime va rattraper le manga et plein de fillers. » Oui, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour ça, malheureusement. Ils vont nous refaire Chocho qui veut perdre 3,5 kg et tout ça. On va y repasser par là. Ishiki va revenir comme Madara, nous dit Nesquik. Pire qu'avant et full cheat. C'est possible. Est-ce que Ishiki pourrait la faire à l'envers à Code? En même temps, est-ce qu'il a une raison de lui faire à l'envers à Code, vu que Code est totalement soumis et dévoué à Ishiki? Il aurait pu lui annoncer la couleur en lui disant « Écoute, moi je veux revenir, je vais utiliser ton corps et tu vas m'aider. » Code, il aurait dit « Oui, oui, Seigneur, Ishiki, prends ma vie, prends mon âme, prends mon corps, prends tout ce que j'ai, réincarne-toi comme tu peux. » Mais là, Ishiki m'a l'air bien dead quand même. Hein. Ouais, moi je pense qu'on n'entendra plus... Enfin, qu'on le reverra pas de sitôt, en tout cas. Ouais, voilà, on va en entendre parler par le biais de sa transmission à Code, mais au sens spirituel, et quand je dis spirituel, c'est au sens philosophie même, mais lui-même, je pense pas qu'il va revenir. Après, on peut se tromper, mais je pense pas. Ils vont nous remettre Sarada qui part au cinéma, ouais. T'as totalement raison, Dragon, c'est ça. C'est exactement ça qu'ils vont nous faire avec les fillers bientôt. Nesquik qui dit « Kaguya pour essayer à Konoha », ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est tout à fait possible. La Jump Festa annonce ce qui arrive en 2021, donc ça sera pas cette année. En fait, Dani, la Jump Festa 2022 aura lieu en décembre 2021 et elle est censée annoncer ce qui arrive en 2022, pas en 2021, tu vois. Et donc, si on clôture la période de l'histoire Kawaki et Boruto enfants en 2021, tu vois, vers octobre, novembre, et que ça démarre petit à petit tranquillement vers décembre, ça correspond tout à fait qu'une Jump Festa. Tu vois, c'est ça que j'ai essayé de dire au collègue Roy tout à l'heure, tu vois. Je pense qu'on peut retomber sur nos pattes comme ça. Kama, Boruto après Ellipse égale Kaguya. Le Kama de Boruto après l'Ellipse égale Kaguya. Mais je vois pas où tu veux en venir, Palou. Je vois pas trop. J'ai pas compris. Non. Saikyo, tu peux donner ton avis pour si Boruto apprend l'invocation de Gamakichi? Pour le moment, on ne sait pas trop sur quel pied danser par rapport aux invocations. Je pense juste que celle de l'animé par rapport au serpent, on peut peut-être un peu l'oublier, enfin, la mettre de côté, quoi. Ça peut revenir, mais je pense pas que ça soit la priorité de l'œuvre. Après, les invoques pour les trois persos, Sarada, Mitsuki et Boruto, est-ce qu'ils vont perpétuer le côté Sanin de Jiraiya et compagnie, tu crois, Roy, ou tu le vois pas du tout comme ça? Ça pourrait être bien, hein. Grenouille et transmis de la même manière, en plus, tu vois. Ou on va changer un petit peu les rôles. T'imagines? Ça pourrait être une bonne... je sais pas, parce que... Boruto, il est plus dans l'esprit Sasuke, tu vois. Je le vois pas trop faire un pacte avec les crapauds. Ouais, donc je vois pas faire un pacte de limaces, tu vois. Ouais, s'il fait un pacte avec les serpents, Mitsuki se retrouve avec quoi, du coup? Pour moi, celui qui fait un pacte avec les serpents, c'est Mitsuki, tu vois. C'est pas un autre. Et du coup, les limaces, tu la redonnes à Sarada et le crapaud, tu les donnes à Boruto, quoi. On revient sur nos pas, tu vois. Ouais. Mais je vois pas comment il pourrait. Après, ouais, tu peux avoir deux serpents, hein. On sait jamais, mais ça voudrait dire qu'une invocation, elle tombe à l'eau. Au final, on la voit plus. Ouais. Du coup, on voit plus les crapauds. Ouais, c'est ouais, ça. Je sais pas. C'est un peu con, quoi. Ça ferait deux serpents et une limace, c'est bizarre. Sauf si peut-être Naruto décide de lui enseigner un peu le mode Sennin. Ouais, c'est possible, t'as le rapprochement avec Ashin Koji aussi, je pense que t'as pas raté les théories sur ça, qui pourrait aider Boruto à entraîner
à la filiation crapaud, tu vois aussi, t'as ça. Ça peut être pas mal ça, vraiment, le mode Sennin de Boruto, ça peut être cool ça. Ouais, ça peut être intéressant, mais on le voit pas dans le premier épisode, il tape direct dans le Kama, tu vois. Ouais. Il cherche pas à comprendre. Ouais, il cherche pas du tout à comprendre, c'est clair. Du coup, bon, pour l'ellipse, j'ai déjà donné la réponse dans ma question. Je fais un petit peu exprès de formuler mes questions de manière à ce que vous ayez déjà mes réponses. Comme ça, ça va, c'est un petit peu plus fluide. Mais ouais, je suis de cet avis-là, dans le sens où je pense que quand Ikemoto nous a dit que ça viendrait rapidement, ça serait peut-être plus vers fin 2021 qu'autre chose, quoi. C'est pour ça que pour le moment, on est toujours dans le mou. Mais là, il y a quand même pas mal de chapitres. Il nous en reste combien, là? Avril, tu vois, il y a mai, juin, juillet. Ouais, T'en as encore quelques-uns pour clôturer vers une ellipse. Ça paraît peu quand même, tu vois. Ça paraît peu pour arriver vers l'ellipse. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a de plus à raconter sur la jeunesse de Boruto que ce qu'on a déjà vu? Ils ont déjà battu je sais pas combien de Otsutsuki. Ils sont déjà réécrits à 80% Otsutsuki. Il serait peut-être aussi temps d'enclencher vers la vie d'adulte. Et on peut aussi avoir l'ellipse qui n'explique pas tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce procédé d'écriture dans le sens où d'un coup, on passe à la vie adulte. Et il y a des moments de la jeunesse qui ne sont pas montrés et qui seront montrés plus tard par des flashbacks. Ouais, ça c'est vrai aussi. Comme après, ça, ils vont plus vite, tu vois. Ça peut être pas mal hein, comme stratégie, ça. En vrai. Ouais. Mais... Là, imagine en juillet ou un truc comme ça, on est en plein entraînement de Boruto et Kawaki, et le chapitre d'après, on est à l'ellipse, post-ellipse, ils sont adultes, ouais. Et par des flashbacks, ils vont entretenir le mystère. Et on verra des flashs d'informations de ce qui s'est passé pour pas prendre le temps de tout nous montrer parce que c'est bon, on a commencé l'entraînement, tu vois. Ouais, franchement, ça pourrait être intéressant. Dans un combat aussi, ils aiment bien nous montrer des flashbacks d'entraînement ou de discussions, d'émotions et tout ça pendant les combats. En plein combat, d'un coup, il se remémore de ce qu'il a appris en entraînement, c'est comme ça que je canalise mon Otsutsuki, tu vois. Et là, genre, il est en plein combat contre Code, d'un coup, il y a Momoshiki qui veut ressurgir, et là, on a un flashback de l'entraînement sur comment maîtriser son Momoshiki. C'est comme ça, ça t'enchaîne, quoi. Et t'arrives dans l'ellipse que Ikemoto nous avait promis. Ah ouais. Et si l'énergie naturelle pourrait ralentir la progression du Kama? Je vois pas pourquoi. Ouais, moi non plus. Ouais. Dans un autre thème, mais proche du tien, Kaiser, là, il y a aussi plein de gens qui font la théorie, mais bon, ça se base sur pas grand-chose, sur Senrigan Senjutsu, donc le Sen pour naturel. Est-ce qu'il y a pas un lien? Mais franchement, je vois pas quel lien il y aurait. Je vois pas du tout. Mais est-ce que les yeux de Ada n'auraient pas un lien avec l'énergie naturelle? Parce que d'ailleurs, les yeux de Ada, on ne sait pas s'ils ont été créés artificiellement ou pas. On sait que son pouvoir de voler les cœurs a été apporté par Amado, c'est pour ça qu'elle lui en veut. Mais peut-être que son Senrigan, il était naturel et que c'est pour ça qu'Amado s'est intéressé à elle, tu vois. Après aussi, on pourrait se demander comment est-ce qu'elle fait, tu vois. Pour pouvoir observer, se servirait pas de la nature aussi, je sais pas. Ouais, autant c'est une connexion Senrigan Senjutsu, elle est connectée au chakra naturel sans même s'en rendre compte, par naissance ou je sais pas quoi là, et du coup la nature, comme tu le dis, lui montre tout ce qu'elle a besoin de voir. Ouais, c'est possible. Et du coup il y aurait une sorte de... et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle arrive à voir dans un certain passé, car il y a une certaine forme de mémoire de la nature, et elle arrive à lire là-dedans, tu vois. Après pourquoi est-ce qu'elle arrive pas à lire avant sa naissance, ça je saurais pas dire, mais... Il faut bien donner des limites, hein, tu vois. C'est ça. Ouais. Comme un ninja sensoriel. Ouais, voilà, un peu comme un ninja. Parce qu'en soi, les ninjas sensoriels, ils se servent un peu du chakra qui s'émane de la nature. Enfin, qui s'émane de la nature. Qui s'évapore dans la nature, du coup. C'est ça. Pourquoi? Du coup, mes chers amis, en sixième thématique que j'avais prévue sur ce live-là. C'est vraiment la thématique d'ouverture que je pose très souvent aux invités que j'ai l'opportunité de recevoir sur mes lives. Et d'ailleurs, ça fait du lien avec l'ellipse. D'où provient, d'après toi, le Sokama de Kawaki adulte lors de son combat face à Boruto, alors qu'il n'a plus de Sokama maintenant? Il n'a plus d'Otsutsuki ni de Kama. Alors ça, franchement, c'est une très bonne question. Après, est-ce que justement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a encore deux Otsutsuki qu'on n'a pas vu. Est-ce qu'il se serait pas. Il n'aurait pas pris un Kama d'un Otsutsuki qu'on n'a pas vu, tu vois. Et ça serait une opportunité aussi pour l'Otsutsuki de se dire son corps il est déjà 80% Otsutsuki, donc je peux faire les derniers 20% à ma sauce et ça devient une réincarnation de moi. Donc ça serait même. Ça serait un double atout de posséder Kawaki, qu'un autre Otsutsuki possède Kawaki, comme ça il a un corps déjà réécrit et un corps compatible à la fois. Ouais, ça peut. Franchement, ça peut être. Ouais. Ça peut être envisageable, parce que je vois pas comment il pourrait avoir le Kama de Shiki, tu vois.
pas. Ben ouais, parce qu'il y a le fameux retour d'Ishiki, mais ça c'est compliqué. Il y a le Kama de Code, mais Code il a pas un vrai Kama, son Kama il est blanc. Et il n'a pas un vrai Otsutsuki dedans, il n'est pas un réceptacle. Et après, il y a la théorie qu'un fan m'avait proposée. Il m'avait dit, si tu regardes bien, dans le premier chapitre et épisode, les deux Kamas se ressemblent. Est-ce que ça serait pas le Kama de Boruto qui est sur Ishiki, sur Kawaki, ouais. Pardon. Ouais, peut-être que... Comme les deux frères, tu vois, frères au sens entre guillemets, seraient liés par un Kama commun. Ouais, en plus, il lui a proposé de graver son Kama sur quelqu'un, tu vois. Ouais, il lui a dit sur Code, mais autant ça pourrait être lui qui le prend sur lui, pour l'aider dans je ne sais quoi. Pourquoi pas. Sachant que ils arrêtent pas de nous improviser des conditions, tu vois, et c'est on fait que apprendre des conneries. Quand je dis des conneries, c'est pas rabaissant, mais on fait que apprendre des nouveautés, tu vois. Ouais, ça je peux faire à condition de ça, ça je peux pas remonter dans le temps de temps de temps. Ada, d'un coup, elle sait tout, elle voit tout, alors qu'on avait jamais entendu ce personnage-là. C'est ça que je veux dire par conneries. Et si d'un coup on nous sort, oui, ben je prends ton Kama et vu que tu me l'as filé, il progressera moins vite, tu vois. Donc la réécriture est plus lente, ça fait 50% de vitesse de réécriture en moins. Enfin, c'est vraiment de la facilité scénaristique, en fait. Mais du coup, t'as d'ailleurs, comme le dit Ray Laser du 91 sur le chat, les Kamas qui sont en résonance, tu vois. Y a Oscaro qui... Oscaro.com qui vient de dire la même chose que moi. Il vient de dire une division 50-50, tu vois. Donc t'aurais presque un peu comme Kurama qui a été divisé en deux. Avec Yin Yang, et tu aurais Yang, et tu aurais le Momoshiki qui sera divisé en deux pour pouvoir le diviser pour mieux régner, en fait, sur son Otsutsuki. Ouais, et peut-être même mieux le contrôler, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vu que tu affaiblis Momoshiki, bah, tu peux prendre le dessus sur ce que tu as en lui. Enfin, en toi. En toi, vu que tu es le possédé, par définition. Mais du coup, il n'y a pas grand-chose comme piste pour le Kama de Kawaki, mais pourtant, il en a bel et bien un quand il est adulte. Oh là là. C'est un gros mystère, ça. Un gros mystère, ça risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller pour ça. Tu kifferais, toi, si c'était celui de Boruto, ou tu préférais que ça soit d'un autre Otsutsuki? Moi, je préférerais que ce soit celui de Boruto, en vrai. Ouais, les deux frères qui se partagent un fardeau et tout ça. Ouais, parce que ça... Comment dire? En fait, ils arriveraient un peu... Les deux persos, ils seraient liés, tu vois. Et moi, j'aime bien quand deux persos, ils sont liés. C'est cool, tu vois. Du coup, je pense que ça peut apporter aussi cette histoire de ce que tu ressens, ce que je ressens, etc. Non, ça peut être vraiment pas mal. Et dans le chat, il y a deux commentaires intéressants de Luciol et de Jeufonce. Luciol qui dit « La question, c'est savoir si c'est vraiment Kawaki dans le corps qu'on voit lors de l'ellipse. » Et également, il y a Jeufonce qui dit « La théorie du Kama artificiel, qu'est-ce que t'en penses ?» Ça pourrait être aussi un faux Kama scientifique créé par Amado. Par rapport à la frustration dont on parlait tout à l'heure, désolé à celui qui l'a dit dans le chat, je l'ai oublié, mais je me rappelle de ce que tu nous as dit. Si tu es toujours là, merci à toi. La frustration de Kawaki que Amado avait pressenti, et il pourrait lui créer un Kama artificiel qui n'engagerait pas à se faire réécrire, mais qui lui fournirait les pouvoirs. Ouais, ça peut être aussi une... Il y a plein de possibilités, hein. C'est mystérieux, mais il y a plein d'options. Ouais, mais du coup, enfin, ça... On pourrait aussi partir dans des délires de pourquoi il pourrait pas le greffer aussi sur quelqu'un d'autre, tu vois. Bah parce qu'il a 80% d'Otsutsuki, donc tu peux faire la greffe du Kama artificiel, mais pas sur un autre. Mais pas sur un autre, ouais. Ah, ça tombe de ça. Ouais, c'est logique. C'est laquelle des options qui te séduit le plus, toi? Tu restes sur Boruto, partage de Kama Boruto, vu que le monde, on l'a dit, on est de plus en plus surpris, il y a de plus en plus d'artifices cybernétiques. Est-ce que tu penses qu'au final, Jeufonce, il a plutôt raison avec son Kama artificiel? Ouais, je pense qu'il... dans la logique, ça tient plus debout ce que lui dit, tu vois. Ouais. Parce que... Après, ça peut être un mix des deux. Il est 23h42, on va se permettre de rêver un petit peu, tu vois. Ça peut être un mix des deux, du style Amado qui va étudier le Kama de Boruto et qui va faire en sorte de le diviser en deux, tu vois. Ouais. Pour qu'il se partage le poids, pour que ça soit plus gérable. Amado, il arrête pas de nous sortir des dingueries, il nous sort des pilules qui enlèvent le Byakugan, qui enlèvent les Otsutsuki, enfin tu vois, ça part super super loin aussi, hein, ces délires. Hein. C'est vrai. Bah, c'est vrai que là, ils peuvent se permettre d'un peu tout faire, tu vois. Bah ouais. Parce que comme le Kama reste assez mystérieux, on peut l'histoire, je pense qu'elle est... Elle est assez dense, mais elle est un peu facile aussi à écrire, parce qu'ils peuvent sortir n'importe quel élément qui va venir appuyer leurs idées, tu vois. C'est, on n'est plus sur les bases solides de Naruto Shippuden. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils nous font des histoires qui nous surprennent beaucoup avec des sciences et tout, pour pouvoir avoir des facilités scénaristiques à se mettre sous la dent. C'est un peu, là on a l'impression un peu de repartir aux bases de Naruto quand on apprenait que tel jutsu il pouvait faire ça mais il pouvait pas faire ça, tu vois. Et là, t'as des scientifiques qui peuvent faire ça et pas faire ça, tu vois, c'est un peu la même chose.
Parce qu'en soi, là, s'il nous parlait du chakra, tu vois, bah, le chakra, ouais. il a plein de contraintes. Voilà. Mm. Là, le kama, comme on sait pas grand-chose, bah, ils peuvent se permettre de nous balancer un peu de quoi, quoi. Et ouais, il y a personne qui va dire non, vu qu'on en a jamais entendu parler. Il y a personne qui va se plaindre, tu vois, ils vont pas recevoir des lettres de plainte à la Shueisha. Il y a personne dans le chat ce soir qui pourra dire non, c'est incohérent, parce qu'on connaît pas ces nouveaux. Non, ils sont forts, ils ont bien fait leur truc. Hein. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en même temps, oui, ils ont bien raison de le faire. Il y a Spider-Man. Ah, Spider-Man, c'est toi là, le donateur mystérieux qui était passé sur les live DVD. Merci d'être de retour. C'est un super héros donateur celui-là, Roy. On n'arrive pas à le démasquer. Il a une photo de Spider-Man et tout. Il vient, il fait des dons et il fait toujours des bons commentaires et tout. Mais il veut pas révéler son identité et on soupçonne qu'on le connaît, mais on n'en est pas sûr, tu vois. On est en train d'essayer de le démasquer comme Peter Parker, mais on est sur sa trace, mais. Et on n'arrive jamais à le retrouver, tu vois, un peu comme Batman, quand tu te retournes, tu vois que le Bat logo dans le ciel, là, il fait la même, je suis l'inspecteur Gordon, je suis toujours en retard, j'arrive pas à le trouver. Et il a donné 20 euros déjà avant de dire, et je t'en remercie infiniment, merci, et il a dit, Naruto ne mourra pas, et Kurama va revenir aussi, et comme à la Goku Ultra Instinct maîtrisé avec un mode Baryon maîtrisé de Naruto, plus Sasuke Mangekyou Rinnegan, car de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je t'avais dit qu'il était un super-héros. ouais, alors un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ça je suis super d'accord avec l'oncle de Spider-Man, mais voir Naruto revenir avec un Baryon maîtrisé et Sasuke Mangekyou Rinnegan, ça paraît chaud, hein. Enfin, ouais. Je sais que t'es chaud, Spider-Man, on te connaît sur le live, mais sur les différents lives, mais je sais pas si Roy il est d'accord avec toi, mais ça me paraît un peu compliqué pour y aller. Ouais, non, ça. Moi, je pense que tout ce délire Rinnegan et tout, enfin, en tout cas, en ce qui concerne Sasuke, je pense pas. Ouais. Le Rinnegan, pour lui, c'est mort, je pense. Hein. Ouais, tu penses pas qu'il peut récupérer? Bah, tout à l'heure, on disait, il y a peut-être l'œil de Madara, mais toi, tu penses qu'ils ont brûlé son corps. Et t'en penses quoi du labo de Obito qu'on a vu dans le manga? On sait pas ce qu'il est devenu, et dans l'anime, il a brûlé. Le labo, il a été rempli de bocaux avec des pupilles de Sharingan. Ouais. Ah, tu penses qu'il va se greffer un Sharingan? Au moins un Sharingan, tu vois. Mais après, justement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je vois pas l'utilité pourquoi ils l'ont gardé, tu vois. Parce qu'ils savent très bien que n'importe qui pourrait aller et puis... Ouais, mais sans parler de Madara, t'as le labo avec les bocaux, tu vois, c'est des Sharingan lambda, en fait. Ouais, non, mais tu parles du Sharingan qu'on a vu dans le repère de Bito. Ouais, il y en avait plein de petites boîtes, là, des petites fioles, des machins comme ça, là. Et dans l'animé, ce labo, il a pété, il a pris feu. Alors que dans le manga, on sait pas ce qui est devenu, tu vois. Et comme le manga Boruto, il se cale plus sur le manga Naruto que sur l'animé, tu vois, donc on sait pas trop. Ouais. Mais toi, tu penses que ça aussi, on oublie. Ouais. Et après, il y a les yeux des Shinuchiwa, tu vois. Ça, eux, vraiment, ils sont là, ils sont toujours OP, mais ça fait bizarre d'aller récupérer un œil sur un petit gosse. Ouais, moi, je trouve. Enfin, je pense que Sasuke, il va garder son Sharingan, le Sharingan qui lui reste. Ouais. Il va se débrouiller avec, quoi. Ok. Parce qu'en soi, tu vois, c'est un peu la balance. Si tu redonnes un pouvoir à Sasuke, faut que tu redonnes à Naruto, tu vois. Exact. Ouais. Donc, du coup. Naruto, là, je le vois pas power-up. Enfin, ce serait un peu bizarre, quoi. Il pourrait avoir un power-up léger, à mon sens. C'est ce que je disais récemment sur un live avec Jofonce, là, quand il m'avait invité. Je pense qu'il pourrait power-up un petit peu, mais pas devenir le... Ouais. Même si on a beaucoup de respect pour toi, Spider-Man, t'es notre héros, mais... T'es l'héros de New York, mais le voir en mode Baryon maîtrisé, le retour, ça, j'ai du mal, tu vois, le voir. C'est pas que je veux pas, mais c'est que j'arrive pas à l'entrevoir, tu vois, arriver. Je pense pas qu'il va redevenir la figure qu'on a connue. Mais par contre, il pourrait essayer de perfectionner un petit peu plus en mode Sennin ou ce genre de choses, tu vois. Des petits power-up à la marge, en fait. Mais avoir des super power-up de fou, je sais pas. Sasuke, je le verrais bien se greffer un bras et se dire, bon, finalement, il est peut-être un petit peu temps de se le remettre, ce bras. Mais ça serait pas un power-up énorme, tu vois. Je pense qu'ils vont plus partir dans les outils ninja, tu vois. Exact, ouais. Je pense qu'ils vont plus entrer dans ce délire-là. Bah, Naruto, il a l'air plutôt friand de tout ça, donc... Ouais. Je pense qu'il va plus partir dans ce côté-là que. Tu vois, pas Naruto en mode je vais apprendre les techniques du clan Uzumaki, tu vois. Cette mythologie-là, je la vois pas revenir, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est un livre fermé, ça. Ouais. Donne-moi des guns et tout. Ouais. Amado, il va dire je t'ai créé un petit renard, on va te le mettre dans le ventre, il va être artificiel. Et tout. Il va y avoir des trucs bizarres encore.
Mais je pense qu'Amado, il va leur faire plein de bons trucs comme ça, comme aider Boruto et tout, jusqu'à un moment où il va leur filer la pilule de trop qu'il faudra pas prendre, et c'est là où il va leur faire à l'envers, tu vois. Et sur celle-là, ils vont lui faire confiance, parce que les fois précédentes, ça a marché. Et là, il va tous leur planter un putain de couteau, tu vois, dans le dos. Ouais, je suis entièrement d'accord. En tout cas, lui, il va faire quelque chose, il va faire une dinguerie. Quand, je sais pas, mais il va la faire. Je pense qu'il va la faire une fois que Code et Ada seront plus trop là, et une fois que Konoha aura bien été affaibli, après c'est bon. Hein. Ouais. Parce que là, c'est un traître, ouais, c'est clair. Que Naruto ne soit plus aussi fort, en vrai, ça l'arrange. Hein. Bah oui, oui, mais il faut pas qu'il soit trop faible, parce que sinon, il peut plus le protéger face à Code. Il essaye de niveler un petit peu les deux camps à chaque fois, tu vois. Et je pense qu'il va d'abord essayer de se débarrasser totalement du camp ennemi, parce qu'il est plus dangereux. Et quand il reste que Konoha, il va leur faire une dinguerie, en fait, comme tu as dit. Ouais. C'est obligé. Sauf s'il s'attache à eux, mais j'ai pas l'impression que c'est un personnage qui fait beaucoup d'émotions. Il a déjà perdu sa fille, il est un peu mort à l'intérieur, tu vois. Donc je pense pas que... Surtout s'il veut ressusciter sa fille, en plus. Ouais, c'est un peu à la Orochimaru. Genre, tant qu'il y voit son propre intérêt, il va faire quelque chose. Il se peut que son propre intérêt, ça soit de vouloir ramener sa fille à la vie ou un truc comme ça aussi. Et un père, il est déter, un père, à faire ça, tu vois. Imagine dans la vraie vie, un père, il pourrait ramener sa fille à la vie, tu vois, mais combien ferait tout, les pires choses au monde pour le faire, tu vois. Pour le faire, ouais, c'est ça. C'est clair, ouais, ils mettraient des nations entières en danger pour retrouver leur fille ou leur fils, tu vois. Donc, ça, dans une œuvre, ça, c'est pas étonnant du tout que ça puisse arriver aussi. Ouais. Du coup, ouais, le coma artificiel, je l'avais noté, on a fait le tour. L'énième retour de Ishiki aussi. Les stèles Otsutsuki, on en a parlé, le Kama de Boruto, Kama de Kawaki adulte, on a fait un petit peu le tour. Donc ouais, franchement, on a plutôt bien fait le tour dans ce live-là. Si on avait dit qu'on se terminerait le live plutôt vers minuit, ça tente qu'on réponde un petit peu, qu'on prenne des questions des gens dans le chat. Ça te va? Comme ça, on met un petit peu plus d'emphase sur ce qu'ils disent dans le chat, parce qu'on a pas mal discuté entre nous ce soir. Si on peut leur donner pas mal la parole, ça peut être cool aussi. Du coup, à vous dans le chat, on est combien là que j'avais checké ça? On est quand même 290, on est resté plus de 300 là, toute la soirée, j'avais un petit œil dessus de temps en temps, il est presque minuit, on est encore 300, je vous remercie, ça fait vraiment chaud au cœur pour... Tout simplement depuis le nombre de mois depuis lesquels je suis pas revenu en live, ça me fait super super chaud au cœur de vous avoir retrouvé, de vous avoir retrouvé si nombreux, vraiment merci, et puis n'hésitez pas là, à bombarder de questions, que ce soit pour Roy, pour moi, pour les deux. N'hésitez pas dans le chat, on est à l'affût. Je pense que Roy, il a le chat qui est ouvert depuis tout à l'heure. Il prend vos questions en live, on l'a bien vu. Donc, vous avez bien vu qu'il est présent aussi sur le chat. Et ça fait plaisir aussi d'avoir des invités comme ça qui sont proches de la communauté chez laquelle ils sont reçus. J'ai remarqué ça parce que des fois, il y a des personnes que j'invite et qui s'en tapent totalement. Ah ouais? D'ailleurs, ceux-là, ils n'ont pas fait long feu. Non, je rigole, mais ouais, non, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché de voir que tu avais le chat et que tu faisais attention à ça. Ouais, bah c'est à moins des choses. Par contre, il y en a un là, il va se faire Akai lui, attends. Petit Akai. Alors. Je pense que tu l'as pas raté celui-là dans le chat. Je vais passer un virus là. Attends. Je vois. Voilà, petit virus qui est passé par là. On a invoqué Super Shenron, on a fait ce qu'il fallait. Du coup, question dans le chat, n'hésitez pas si vous avez je dis question, mais ça peut être de la théorie, si vous avez une idée, il n'y a pas forcément que des questions, on n'est pas des omniscients, hein. Si vous avez des réponses à des trucs et tout, n'hésitez pas. RKM34, et toi Roy, n'hésite pas si tu as envie de prendre une question, de l'amener, pas de souci. RKM qui dit, est-ce que Kashin Koji va se venger d'Amado? Ben Roy, tu as répondu tout à l'heure, tu disais que oui. Ouais, moi je pense, ouais. Tu penses je que pense ouais, hein. qu'il va pas laisser ça... Il va pas laisser ça genre au calme, genre. Il va y avoir des répercussions. Ouais, et tu penses que ça va se faire comment? Parce que c'est la même problématique que pour Code. Code, il peut pas mettre la main sur Amado parce qu'il est bien protégé. Alors du coup, comment il va faire Kashin Koji pour faire ce que Code ne peut pas? Il y a quand même un avantage. Kashin Koji a l'ADN de Jiraiya, donc il peut passer. Il peut passer, ouais. Donc moi, je le vois bien s'infiltrer, hein. Ouais. S'infiltrer dans Konoha, et puis... Non. Soit il sympathise avec nos héros, soit il s'infiltre. Ouais, c'est vrai que la scène d'infiltration, c'est possible. D'ailleurs, Jiraiya lui-même était balèze en infiltration, hein. C'était son cœur de métier presque. Il était toujours en quête d'informations pour Konoha d'ailleurs.
Et bon, au détour de 2-3 onsen ben chaud, hein, mais... mais bon, il kiffait ça quand même, l'infiltration. Et du coup, ouais, c'est vrai que je verrais bien une scène nocturne dans laquelle Takashin Koji, avec sa petite cape et tout, là, il vient, il attrape Amado. Il va pas forcément le tuer, mais il va lui proférer des menaces ou récupérer des infos. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Salut à toi, Momo07. T'arrives vers la fin du live, parce qu'on a fait le tour. Hein, mais là, on est dans, dans la partie questions-réponses avec le chat. On discute avec vous et tout, ça fait plaisir. Mais je te remercie en tout cas d'être là. J'ai vu une question intéressante. Il y a Imran qui dit le futur Mokuton de Naruto. Tu y crois, toi, ça, Roy? Moi? Non, je crois pas du tout. Non, tu crois pas à ce genre de power-up de fou. Tout à l'heure, tu as dit que tu pensais pas à explorer le lore Uzumaki pour Naruto en termes de power-up. Ouais, tu penses pas non plus à aller encore plus loin que ça avec du Mokuton. Ouais, le Mokuton, pour lui, en tout cas, ça me paraît mort, quoi. Il y a Jeufonce, il a dit, moi je pense qu'Amado va étudier le sceau sur le front du Sakura pour créer le Kama artificiel Kawaki. Ouais, ouais, ça rebondit à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Ah ouais. Ça peut être envisageable. Le sud de Tsunade, là, le Byakubo no In. Ouais. Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être super intéressant. Je pense que c'est une bonne idée que tu tiens, Jeufonce. Benjamin qui dit ellipse au chapitre 60. Oh, ça me paraît un peu proche. Ouais, je sais pas ce que t'en dis, Roy, mais... Ouais. Ça paraît un peu bref, mais peut-être plus vers le mois d'août, septembre, octobre, non? Un truc comme ça? Moi, ouais, ça me paraît un peu plus dans ces zones-là aussi. Ouais, voire même décembre, pour coller pile avec la Jump Festa. Hein. Ils peuvent. Ça peut être bien. Ça peut être vraiment bien. Mais là, ça me paraît trop court. Là. Attends, parce que j'ai monté ton son, mais il risque de t'entendre un petit peu trop fort. Attends, je vais le remettre comme il était, voilà. Sasuke Uchiwa fait quoi depuis deux chapitres, nous dire quand même? Ben, il a discuté avec Amado, mais à part ça, on n'a pas trop de nouvelles. Hein. C'est vrai que Sasuke, je sais pas, aucune idée. Traitement de Rock Lee. Rock Lee, les gars, c'est un peu comme le 11 de Konoha, enfin, c'est des persos. les gars, vous devez vous habituer à pas les voir, hein, vraiment. Hein. Ça risque d'être... C'est dur, je sais, c'est dur, mais... Toi aussi, je suppose que t'as kiffé Rock Lee en sa belle époque. Rock Lee, moi, c'est mon perso préféré dans Naruto quand ils sont petits. Ah bah ouais, je te comprends, mais... je te comprends bien. Là, je suis triste, quoi. Même petit, il a commencé à être dans le déclin, hein, à partir d'un certain moment, ils ont commencé à le mettre de côté. Après Kimimaro, c'était plus trop ça, après. Hein. Ouais, c'est triste, ouais. Ça, vraiment. Ouais. Sasuke, il est avec Docteur Orochimaru. Ça serait ouf, hein, d'avoir une ouverture de scène avec Sasuke dans le labo d'Orochimaru, vas-y, plante-moi un bras et tout ça. Ça serait ouf, mais bon, j'y crois pas trop. Dragon qui dit, est-ce que vous pensez que le dernier combat sera Sarada vs Boruto, genre le futur Hokage vs le fils déchu qui a tout perdu? Ouf, tu vas fort, hein, Dragon. Tu vas fort quand même. T'en penses quoi, Roy? On va très loin dans le futur là. Bah, en même temps, on est allé loin aussi dans le chat, on va pas le blâmer. Franchement, je pense pas. Parce qu'en soi, d'après ce qu'on a vu avec. La bataille pourrait arriver, mais c'est le côté bataille finale, tu vois, qui me fait. Qui me bloque. Parce qu'en vrai, Boruto a toujours les valeurs d'un shinobi, tu vois. Ouais. Même adulte, il dit finalement, je reste un ninja. Donc, je vois pas pourquoi il irait bafouer ses principes pour se battre contre l'Hokage. Bah ouais. Bah après, ça peut arriver en plein middle de l'histoire, tu vois, quand ils sont un petit peu adultes et en plein désaccord. Un peu comme les conflits qu'il y a eu entre Jiraiya, Tsunade et Orochimaru à une certaine époque, durant les guerres, ou encore même plus récemment quand Naruto était enfant, tu vois, ce genre de bataille au milieu de l'histoire. Alors, je verrais plus un Mitsuki Boruto à ce niveau-là. Mitsuki contre Boruto? Ouais. Ouais, le soleil et la lune, pourquoi tu les verrais se battre ces deux-là? Parce que si Boruto décide, entre guillemets, de renier ses valeurs, tu vois. Ouais. Ah. Ça n'a aucun sens pour Mitsuki, tu vois. Il fera tout. Entre guillemets, il va perdre son soleil puisqu'il voit que Boruto s'assombrit. Ouais. Du coup, il risque peut-être de se battre les deux. Ouais, c'est pas con ce que tu dis. Super intéressant. Est-ce que t'as lu un commentaire que tu veux amener ou j'en prends un ou... Là, je regarde un peu. Ça marche. Y a Crazy13 qui dit « Qui de Sasuke et Naruto va mourir en premier d'après vous ?» Déjà, sa question, elle tranche, tu vois, parce qu'il dit « Ah, qui va mourir en premier ?» C'est-à-dire que forcément, les deux, ils vont mourir. Ouais. Yo, Art, comment ça va? J'espère que ça va mieux. Enfin, il n'y a pas dû arriver des miracles entre la dernière fois où je t'ai parlé il y a 4 jours, mais j'espère que ça va en tout cas. Salut à toi. T'en penses quoi de qui de Sasuke et Naruto va mourir? Parce que c'est un peu chaud de répondre à la question, Roy, ça veut dire qu'on assume direct que les deux vont crever, tu vois. Ouais, je veux dire, dans la possibilité, si
si les deux devaient mourir. Fais gaffe, après tu vas recevoir des messages privés et tout. Ouais, Roy, pourquoi t'as dit meurt? Moi, je pense. Franchement, je pense que s'ils doivent mourir, ils le feront en même temps. Tu vois? Ah, carrément, ouais. Ouais, ouais. Moi, je t'ai dit, il y a toujours cette histoire de balance, tu vois. Bah, regarde, dans Shippuden, quand on avait cru que les deux allaient mourir, tu sais, quand Naruto il s'est fait extraire Kurama et puis Sasuke s'est fait planter, bah, c'était le même scan, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je pense que. Quand ils ont perdu leurs bras à la fin, ouais, c'est. Ouais. Donc, soit Naruto meurt et Sasuke meurt dans le scan d'après, soit ils meurent en même temps. Si, okay. Ils doivent mourir. Ouais, ouais. Du coup, tu penses pas qu'il y en a un des deux... on pourrait pas avoir cette frustration dans le monde ninja, seul un des deux, et on aurait, je sais pas, moi, Naruto qui reste en vie et qui pleurerait son vieil ami, qui irait le rendre visite sur sa tombe, et Sarada qui veillerait à Mangekyou à cause de ça, etc. Ouais. Moi, je pense, si je dois en choisir un des deux, ben, je prends Naruto, tu vois. Tu penses que c'est Naruto qui pourrait partir en premier si vraiment on devait choisir un des deux. Mais toi, tu es plutôt team les deux partent en même temps. Moi, je suis plus les deux partent en même temps. Mais je verrais plus la symbolique si Naruto part, tu vois. Ok. En mode, Sasuke, il perd un peu... Après, ça marche aussi. Hein, tu peux aussi avoir Sasuke qui pleure, Naruto sur sa tombe et tout. Ça marche dans les deux sens, clairement. Et je pense que la mort de Naruto a un impact plus grand dans le monde ninja que celui de Sasuke, tu vois. Ouais, je vois. Il y a Ryo, il t'a dit, ok, Roy-san, je te retiens, Naruto killer. Tu vois, on te pose des questions, après direct, c'est retenu à ta charge, direct. Tu peux pas t'en sortir. Y a Nesquik qui dit, Sarada, le Sharingan, les gars, ça va être intéressant de voir ce qu'elle fera contre des gros clients. Bah, elle a déjà eu un gros client avec Boro, hein, quand même. Mm-hmm. Pour son âge, se taper contre Boro, c'est pas de la merde. Pas mal, hein. Oscaro qui dit, pourquoi avoir laissé autant de Kage et particulièrement de Hokage dans Boruto? Est-ce qu'un grand combat pourrait arriver avec tous les Kage réunis? Tu parles de tous les Kage des pays ou tu parles même des anciens un petit peu retraités et tout ça? Mais parce que tu dis autant de Kage, parce que les Kage, il y en a forcément un par village, tu vois. Donc le nombre de Kage en soi ne change pas, mais peut-être tu fais référence aux plus anciens. Mais en tout cas, je pense qu'une bataille rassemblement des Kage, il y en aura une, hein, dans l'œuvre Boruto. Je pense bien. Et je pense qu'ils vont pas faire aussi beau que la prestation de Tsunade et compagnie face à Madara. Je pense pas qu'ils vont faire très long feu, sauf s'ils ont des power-up de fou, mais bon. Là, ça m'étonnerait. Futsuki, ça risque d'être encore plus rapide, quoi. Il y a Kaliskan qui pose une question, je vais te la poser différemment, Roy. Il dit, c'est pour quand la 5e grande ninja? Je te dirais plutôt, ce serait quoi qui va déclencher la 5e grande guerre ninja, s'il y en a une? Il y en a une. Je pense que si il doit avoir une guerre, c'est pour, je pense, récupérer Amado ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, et avec sous fond de... Il faudrait un gros truc quand même, non? Un jubi, un machin dans le lot? Ouais, il faudrait un jubi genre en mode... Ou un code sans la limitation? Ça. En mode, ils y vont pour... Parce que si ta code, il a plus de limitation et qu'il est plus puissant qu'Ishiki, ça n'a pas été dit. Mais imaginons qu'il l'est, tu vois. Si il l'est et que derrière, en backup, t'as Ada avec ses pouvoirs qu'on lui connaît et qui est plus forte que Jigen, ça fait quand même deux énormes morceaux à battre. Et là, en vrai, tu prends qui, là? Tu prends Shujuro. Tu veux pas dire Naruto. Tu prends qui? Tu prends une personne, là. Shujuro ou Kurotsushi. Ça va pas loin du tout. Tous les Kage encore en vie. Tous les Kage encore en vie. Oui, mais... Il faut savoir que tous les Kage encore en vie sont moins forts qu'à leur... Leur prime. Ouais. Kakashi et compagnie. Kakashi, il est fort, les gars, mais Kakashi, il est limité, hein. Ouais, bah oui. Ouais, il est limité par rapport à des menaces de fous comme ça, quoi. Et puis, il y en a un que j'ai mis sur la miniature, mais on en a pas beaucoup parlé, encore qu'on a quand même parlé de l'entraînement. Mais Benjamin Delobel, qui nous parle de Borushiki, il nous dit, vous pensez de quoi de Boruto qui tue Sasuke? Oh. Oh. J'ai pas pensé à ça. Ça pourrait être Borushiki, tu vois. Ouais. Oh, ouais. Oh. Vous me l'avez choqué, là, Roy. Il est pas bien, il est dans le mal. Apportez-lui un verre d'eau et du sucre, là, qu'il a une baisse de tension. Oh, j'ai pas pensé. Ouais, mais s'il le tue, il le tuerait quand, tu vois? C'est un peu comme quand Naruto débordait dans ses combats et que Kyuubi prenait le dessus et que Jiraiya devait le stopper et que Jiraiya il s'est pris une grosse cicatrice, tu vois? Là, ça pourrait être plus qu'une cicatrice et Borushiki, il tue Sasuke, tu vois?
Ah ouais. Oh, ça pourrait être intéressant. Hein. Une première bataille face à Code ou je sais pas quoi, et ça dégénère trop. Il y a le niveau de chakra de Boruto qui tombe, et ça veut dire que Momoshiki y sort. Et là, il y a Sasuke qui s'interpose, et Boruchiki fait un strike, tu vois. Ouais. Ouais, ce serait franchement, ce serait incroyable. Et en plus, là, t'aurais une scène dans le sens où Boruchiki, il aurait fait le ménage parce qu'il n'y aurait plus personne. Après, Boruto, il va reprendre le dessus. Un peu comme Ichigo là, avec le holo, il va arriver à reprendre le dessus et il va se rendre compte que sur le champ de bataille, il y a tout le monde qui est mort, l'ennemi et Sasuke. Il va devoir ramener la dépouille de Sasuke au village. Enfin, t'imagines, tu arrives aux portes de Konoha avec Sasuke dans tes bras qui est mort et tu dis, ah, mais c'est moi qui l'a tué. S'il fait ça, chapeau, hein. Kishimoto, tu fais ça. Ouais. Parce que la vague de haters qui va se manger. Ça peut aller super super loin. Bon, on va se prendre une dernière question. Qu'est-ce que t'en dis? On se coule sur le live tranquillement. Je suis d'accord. Ça marche. Je te laisse à choisir si ça te dit. Je pense que s'il existe plusieurs types de Kama, genre de plusieurs couleurs qui ont chacun leur spécialité. Je pense. C'est Wendy qui nous dit ça, c'est ouais, ça si, ouais. Ouais. Ah, je pense que c'est tout à fait possible. Parce qu'en soi, comme on a dit, on connaît rien du tout du Kama, tu vois. Ouais. Donc, je pense s'ils veulent t'en sortir un rouge, ils peuvent, ouais, c'est ça. Ah, ils vont partir dans des délires blanc, rouge, bleu. Ah, pourquoi pas, hein. Ça peut être intéressant. Hein. Mais bon, le problème, c'est que pour le moment, on a le kama noir qui est rempli d'une âme, tu vois, d'une âme Otsutsuki, et on a le kama blanc qui est vide. Les autres couleurs, elles voudraient dire quoi, tu vois ? Elles voudraient dire quoi ? Il se passe quoi dans un kama rouge, dans un kama bleu, un kama violet ? Il y a quoi dedans ? Et on parle pas de la couleur de l'activation, on parle bien de la couleur du tatouage en soi, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais, parce que quand il s'active dans l'animé, on voit qu'il y a des couleurs un peu bleutées fluo et tout, mais on parle vraiment de la forme du tatouage tribal qu'ils ont sur le corps. Il y a le blanc et le noir pour le moment, c'est tout. Il y a une question qui... Le roi des Otsutsuki. Ouais, le roi des Otsutsuki, il y a ça aussi. On en a pas parlé, c'est vrai qu'il y a le Big Boss, hein. C'est vrai. Ouais. Sauf si le Big Boss, c'est le duo Otsutsuki qu'on a vu représenter récemment, là, tu sais, la grosse statue, mais bon, visiblement, c'est le roi, ouais, le boss. Ouais. Mais bizarrement, je m'attendrais à ce que ce roi il soit un peu plus posé dans la discussion et un peu moins rentre dedans. On arrive sur une planète, on a des boîtes et tout, je sais pas. Je voudrais bien un peu faire des pourparlers avec Konoha ou quoi, parce qu'il a vu que toutes ses forces elles se font décimer à chaque fois qu'il en envoie. Darkwaz, dans un live précédent, il nous disait un truc, c'est qu'au bout d'un moment, le roi il devrait se réveiller parce qu'il fait que les envoyer deux par deux et il revient personne à chaque fois. Tu vois ? Ouais. Il devrait soit envoyer une armée, soit il y va en personne. Ouais, dis-moi. Il va venir en mode bon les gars ça va deux minutes quoi. Ouais. Il va démonter tout le monde. Ouais mais bon quoi. Déjà qu'on n'arrive pas à trouver des solutions pour battre Jubi et Code, alors comment tu bats le roi de Otsutsuki? Ah ouais. Là, alors là, les problèmes. Et s'il débarque avec une petite armée de 10 Otsutsuki bien vénère et tout, enfin tu vois quoi, tu peux pas. Tu peux parce pas faire face à ça. D'après ce qu'on a vu, il y a des sortes de classification, non? Il y a des sortes de rangs. Ouais. Donc, s'il y a un roi, c'est que t'as forcément un gouvernement. Donc, je me dis, ça pue, hein. Parce que là, s'il envoie un peu les sous-fifres, après, s'il décide de venir en mode, je prends les. Imagine, Ishiki, c'est un sous-fifre, ça serait fou. Ouais, non, mais c'est hors. Oh, j'imagine pas la dinguerie. Ça va être trop bien, hein, ça va être trop bien. Mais. Waouh. Mais là, dans ces cas-là, forcément, tu reviens à l'option qu'on a déverrouillée tout à l'heure. Se faire aider de Otsutsuki, tu vois. T'es obligé, là. Bah, t'es obligé de sortir des cartonneries, des cartes Kaguya, et même eux, ils seront pas au niveau, tu vois. Là, pour battre des Otsutsuki, il faut forcément en devenir un. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais, je suis vraiment d'accord. Après, il y a Jeffonce qui nous propose les cyborgs contre les Otsutsuki. je mettrai pas trop de piécettes sur les cyborgs, hein, franchement. j'aurais pas trop envie de miser sur eux, tu vois, moi, mais bon. Le roi déchu Boruto. Ouais, je suis Boruto. Il y a Mathias, il nous dit Spider-Man, il avait raison, le retour de Naruto, Baryon Mode maîtrisé pour niquer le roi. Ouais. Non, mais c'est vrai que ce roi, et après, tu vois, il y a Issa, il nous dit, je pense que le roi des Otsutsuki, il est pas méchant, mais bon, il est pas méchant, hein, oui et non, parce que quand même, il envoie ses sbires bouffer des planètes, tu vois, donc il a forcément un besoin colonisateur, c'est ça le truc. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'il fait le roi pour survivre, lui, tu vois, pour se réincarner et tout ça? Ouais, il en a pas besoin, lui, d'aller sur les planètes et tout? Parce que. Ouais, il y a beaucoup de mystères à ce niveau-là. Est-ce que le roi n'a pas besoin de ce cycle-là? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Salut à toi, Melvin, et on va te saluer doublement parce que ça va être la fin du live aussi, mais je te remercie d'avoir été là. Il y aura pour tous les gens qui sont dans la même situation que Melvin Josic, là, dans le chat, il y aura la rediffusion du live, bien sûr, à condition que YouTube ne bug pas. C'est déjà arrivé que des rediffusions ne veulent pas se mettre, mais c'est rare, normalement, ça revient tout le temps.
Je pense qu'on va clôturer live, hein, Royce, sauf si tu avais quelque chose à rajouter sur le sujet ou quoi. Tu nous as sorti la dinguerie du roi des Otsutsuki pour clôturer, donc je pense qu'il n'y avait pas mieux pour terminer. Il y aura la rediffusion, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour que cette rediffusion soit dans les suggestions d'un maximum de monde sur YouTube, parce qu'il n'y a pas de notif quand les rediffs arrivent. Et puis moi, je vous préviendrai de quand la rediff arrive sur l'onglet communauté YouTube, sur Facebook, Twitter. Et pour ma part, je te remercie infiniment d'avoir été là, Roy. C'était un vrai plaisir de découvrir un peu la personne que tu es ce soir, de parler avec toi, Boruto. Tes connaissances sont clairement et plus qu'à la hauteur de ce que tu nous as déjà proposé lors de tes vidéos. J'espère que tes prochains concepts et projets de vidéos vont cartonner. Je te le souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à aller vous abonner chez Roy-san. Il y a le lien de sa chaîne qui est en description. Vous allez le trouver directement en haut de description. Vous avez vu concrètement ce qu'il donne en plein live. En vidéo, ça ne peut être encore que mieux. Revu et corrigé, hein, vous savez comment on fait. En live, on est 100% naturel, mais on essaie de donner encore mieux que nous-mêmes dans les vidéos, parce qu'il y a les petites joies du montage qui passent par là. Et ça permet d'éviter les bugs et les genres de trucs comme ça. On se met sur notre 31. Et puis voilà, vraiment un gros plaisir d'avoir pu te découvrir et permettre aux gens ce soir peut-être de te découvrir, même s'il y en avait plein qui te connaissaient déjà sur le chat. Et d'ailleurs, en parlant du chat, je remercie infiniment tous ceux qui sont passés. On était, comme je l'ai dit, plus de 300 sur toute la soirée. Ça a été un superbe accueil, aussi bien pour l'invité Roy que pour moi-même en tant que retour de live. On se retrouvera très prochainement. J'ai un invité que je suis en train de vous planifier pour un live Dragon Ball Super. J'espère que ça vous plaira. Celui-là, il est déjà passé sur la chaîne, mais il passe pas souvent. Voilà, c'est le petit indice que je vous donne. Et voilà, on est en train d'en discuter en DM avec lui. Ça devrait se faire dans les prochains jours. On va voir. Peut-être que ce sera pour les spoilers DBS, peut-être avant. On va voir comment se cale ça. Et puis, il y a H qui dit un gros plaisir ce live. Ça m'a fait super plaisir. Et puis, Roy, vraiment au plaisir de pouvoir te retrouver, que ça soit sur un live, peut-être sur un concept de vidéo ou quoi. Depuis le temps qu'on devait se faire ça, au moins c'est fait. Et j'espère qu'on l'a bien fait, que ça vous a plu dans le chat. J'espère que tu t'y es plu, Roy, ce soir. Ouais, de fou. Merci pour l'invitation, c'était vraiment cool. Le chat, vous avez été adorable. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de perturbateurs, c'était vraiment cool. Vous posiez vraiment des questions très, 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 très orientées. Ça se voyait qu'il lisait bien le manga, quoi. Vous êtes pas des totos. Franchement, c'est cool de parler avec un chat qui s'y connaît bien, tu vois. Parce que des fois, merci beaucoup en tout cas. Et si une fois je peux repasser, c'est avec plaisir. Tout le plaisir sera pour nous de te réaccueillir ici. Du coup, il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois tout le monde, aussi bien toi, Roy, que toutes les personnes présentes ce soir. De vous souhaiter une très belle nuit. De prendre soin de votre futur et de vous dire à plus pour de prochains lives et de prochains arts divinatoires. Belle nuit à tous. Ciao, ciao et encore merci, Roy.